Bon, là, normalement, c'est bon. On est lancé. Ouais. Salut à tous. Bonjour sur le podcast biomécanique avec Mickaël Louvel. Salut à tous. Bon, alors, on va expliquer le contexte. On a essayé d'enregistrer hier. On a eu quelques petits bugs techniques. Aujourd'hui, ça va bien se passer normalement. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ce qui va être assez drôle, c'est que là, tu es à ton. Au travail, donc. À ton lieu de travail. Donc, on va faire un truc, c'est qu'il y a possibilité qu'à un moment donné, tu sois interrompu pendant l'épisode. Donc, moi, je me suis noté quelques petits trucs où je vais essayer de meubler si jamais les moments où tu vas être interrompu, tu seras obligé de t'occuper de quelqu'un. Donc, voilà, je vais essayer de faire ça bien, comme ça, il n'y aura pas de coupure, tout va bien se passer. J'espère que ça va bien se passer. J'aurai pas besoin de faire un gros montage. Ok. Bon, alors aujourd'hui, bodybuilding, évidemment. Aujourd'hui, on va parler de plein de trucs hyper intéressants. Je te l'ai dit tout à l'heure un petit peu, je t'ai teasé les sujets, mais comme d'habitude, tu sais, ça peut partir dans d'autres contrées inexplorées encore, mais ça va tourner autour de l'entraînement, comment tu gères tes entraînements, comment tu as adapté par rapport à ton handicap. Enfin, handicap, je sais jamais s'il faut handicap, est-ce qu'on peut dire ça déjà? Ouais, bah oui, parce que ça reste, ça reste condition. Un handicap. Ouais. Mais moi, ça me gêne pas d'en parler. Tu peux dire le mot, en fait. Il y en a, ça va peut-être les titiller et tout. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je suis pas. C'est pour ça que je suis un peu un peu frileux, parce que tu sais, on sait jamais comment dire. On veut pas exclure. On veut pas blesser non plus. Enfin, on veut pas. Parce que tu le disais dans une interview, par exemple, que toi, t'as pas envie. Enfin, tu veux pas de la pitié, tu veux pas de tout ça, parce qu'en même temps, ça t'a permis de faire des trucs énormes. Et en même temps, on imagine ce que ça a pu être de perdre le bras à un moment donné, tu sais, ça a dû être quelque chose. Donc, c'est toujours très difficile de se placer. Je sais pas comment toi, tu ressens ça chez les gens, peut-être, une difficulté à parler de ça. Je pense que les gens, à la base, c'est eux qui ont du mal à aborder le sujet ou qui sont un peu mal à l'aise. Bah, et là, c'est actuellement le cas pour moi, je sais pas comment le gérer. Et puis au final, ils voient que moi, je m'en fous, en fait. Tu peux parler de tout ce que tu veux, jamais ça me vexera ou, je sais pas, je parle de tout, tu vois, il y en a, ils vont pas parler de leur accident même, tu vois, de ce qui s'est passé et tout, ça va aller leur rappeler des trucs, moi, je m'en fous, ouais. En fait, j'ai pas ça, en fait. Ça me dérange pas. Tu peux parler de tout, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Je suis open. T'es open. Bon, ben, c'est excellent. C'est ça, parce que t'as eu un accident, ce qui fait que t'as dû être amputé du bras droit, donc il y a plusieurs années. C'est ça. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter tout simplement, comme j'ai l'habitude de faire, succinctement, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui ne te connaissent pas encore. Donc, Mickaël Louvel. Aujourd'hui, 46 ans. Putain, le temps passe. 46 ans. J'ai eu un accident de voiture à l'âge de 23 ans. Donc, en 97. Et puis voilà. Et puis, j'ai réussi à remonter tout ça pour pouvoir continuer à faire ce que j'aimais, en fait. Moi, c'était les compétitions de culturisme. Et je voulais pas qu'on m'encastre, en fait, dans une case comme athlète en e-sport, comme les gens font tous, en fait. Dès que t'as un handicap, on te met dans la case en e-sport. Et moi, je voulais pas de cette case-là, en fait. Donc, j'étais un peu un électron libre dans le bodybuilding. C'est que je partais là où les fédérations me disaient de venir, en fait. Et pour quelle raison tu voulais pas être dans cette case précise? Parce que je me sens pas comme un athlète... avec un handicap, tu vois, c'est justement, j'essaye toujours de travailler le côté droit pour pas qu'on voit justement le côté atrophié. Donc je le travaille limite plus que l'autre côté, parce que je rajoute des élastiques, des sangles et tout. Et encore maintenant, les gens, quand ils voient les photos, ils te disent toujours, ouais, c'est un montage, c'est Photoshop, c'est pas possible, le mec il est symétrique des deux côtés, mais il lui manque un bras, alors que pourtant ça fait 20 ans quoi, je suis dans le circuit. Et ça reste toujours, en fait. Il y a toujours des gens qui n'ont pas vu les photos d'avant et qui vont te sortir toujours des trucs comme ça. C'est un montage, c'est ci, c'est ça. Donc justement, c'est que j'ai réussi, en fait, à combattre un peu ce manque d'un côté pour pouvoir équilibrer de l'autre. Parce que c'est vrai que sur certaines de tes photos, on voit souvent que c'est surtout les dorsaux qui sont...
plutôt impressionnant dans le sens où c'est tout ce qui est trapèze à droite sont quasiment, enfin les trapèzes à droite sont quasiment équivalents à ceux à gauche. Alors tu me diras, je veux dire, t'as toujours ton omoplate, donc t'as toujours tes trapèzes, donc tu peux toujours les recruter. Mais enfin, quand même, quand t'as pas le levier du bras, c'est impressionnant de se dire que t'as réussi à conserver cette symétrie. En fait, la logique voudrait que, à partir du moment où il te manque un membre, bah, le côté il s'atrophie en fait. Parce que les trois quarts, ils vont pas le faire vivre. Maintenant, si t'es pas dans cette optique-là, que tu te dis non, il faut pas que les gens, ils aient une pitié ou qu'ils voient justement, qu'ils se disent ah putain le pauvre, ouais mais on voit quand même la différence de l'autre côté et tout. Donc justement, bah tu te lèves et puis tu te bouges de l'autre côté. Et puis je pense que ça a inspiré pas mal de monde parce que j'ai vu 2-3 mecs à qui leur manquait un bras en Turquie, dans les pays aux États-Unis et tout. Et les mecs finalement maintenant, je les vois, ils mettent des élastiques et tout. Donc quelque part, je pense que ça a dû ils ont dû dire ah putain le mec il a fait comme ça, je vais essayer. Tu vois, après ils ont adapté leur technique eux-mêmes. Parce que je pense pas qu'il y ait 20 ans, il y avait 50 personnes comme ça qui utilisaient les sangles comme ça déjà à la base. Ouais, bah, il faut que tu brevettes la méthode là, parce que ça, si ça inspire du monde, il faut que tu crées un programme spécial. C'est trop tard, ils ont tous adopté. Voilà. Ah merde. Bon, et puis on va pas espérer non plus qu'il y ait beaucoup de personnes qui vont avoir des accidents pour que tu puisses. Non. Bon, ce qui est intéressant alors, c'est que toi, a priori. Moi, quand je t'ai découvert, et puis c'était il y a longtemps, parce que je crois que c'était sur la vidéo Thibaut InShape, donc tu vois, c'était il y a... Il y a 2-3 ans déjà, il y a 2-3 ans déjà. Et on peut avoir l'impression que tu t'es mis au bodybuilding après ton accident, ou alors quelques années après. Je dis ça parce que... parce que j'ai découvert j'ai découvert un peu ton parcours, donc je sais que tu faisais de la compétition avant, mais on peut avoir l'impression que tu t'y es mis après, je sais pas pourquoi, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eu, alors qu'en réalité ça faisait déjà des années que tu t'entraînais et que l'accident n'a pas finalement cassé ta passion plus que ça, elle a juste stoppé à un moment donné pour la faire repartir plus tard. Ouais, c'était juste un coup d'arrêt en fait. J'ai commencé le body à 16 ans. J'ai fait ma première compétition à 17, 18. Et ensuite, j'ai été obligé d'arrêter parce qu'il y avait le service militaire en France qui était encore obligatoire. Et moi, je tombais en fait dans les dernières années où il était encore obligatoire. Donc, du coup, j'ai dû arrêter un an. Même si je continuais à m'entraîner à la caserne et tout, en tant que militaire, le soir, j'allais m'entraîner à la salle et tout, mais j'avais fait un break d'un an en fait. Et quand j'ai fini mon service militaire, j'ai commencé à me remettre tout de suite dans ce que j'avais encore de la chance, c'est que j'étais encore junior. Et junior, je pouvais faire des compétitions jusqu'à 23 ans. Donc j'avais encore un peu de temps pour faire des compétitions en junior et engranger tout de suite pour partir en international en fait. Moi, le but, c'était de faire le championnat de France tout de suite pour pouvoir faire le championnat d'Europe, le championnat du monde en junior juste derrière. Et donc, en sortant de l'armée, j'ai rattaqué bien et tout. J'ai rattaqué la prise de masse et j'étais à 115 kilos. C'était comment le service militaire? C'était top. Franchement, j'ai kiffé. Ah ouais, j'ai kiffé. Ouais. J'étais dans le sud. En plus, tous les gradés, c'était tous des... J'étais dans les fusiliers marins, donc tous les mecs, c'était des Golgoths, quoi. Il y avait un Tahitien, il faisait 120 kilos, le bordel. Donc quand ils m'ont vu arriver, moi, je sortais de compétition. En plus, j'étais encore sec. J'étais à 95 kilos, donc les mecs qui m'ont vu, ils m'ont fait « Oh putain, lui, il est dans la muscu et tout ». Donc du coup, ils m'ont un peu mis bien. Mm-hmm. Donc ils m'avaient donné les clés de la salle, je pouvais me faire livrer mes protéines et tout. Donc du coup, les gars venaient s'entraîner avec moi. Et du coup le commandant il était cool parce qu'il me faisait esquiver tout ce qui était marche de 8 et tout parce qu'il savait que j'étais bien dans la muscu et du coup c'est vrai que j'ai passé un an à l'armée, c'était canon quoi. C'était puis bon il y a les potes et tout, je crois que c'était des choses c'est ce qui forge un peu la personne en fait. Service militaire, je pense que c'était une bonne chose à l'époque quand il était obligatoire.
Ouais, est-ce que tu penses que ça serait... Bon, de toute façon, ça reviendra jamais. Là, c'est sûr, c'est trop... Ça reviendra jamais, mais c'était... Vraiment, c'était quelque chose, tu sais... Je pense que les jeunes qui faisaient un peu les malins et tout, quand tu te fais mettre à l'ordre par le gradé et tout, qui te dit, si tu fais ça, tu vas laver les chiottes pendant une journée, les mecs, ça recadrait un peu, quoi. Ça te forgeait un petit peu pendant un an, et puis... Après, c'était une possibilité de carrière aussi. Au final, à la fin de ton service, le commandant, il vient te voir et puis te demande si tu as envie de continuer, de signer et tout. Moi, ils ont voulu, ils ont insisté, en fait, pour que je m'engage carrément dans l'armée. T'étais bon? Enfin, je veux dire, t'avais c'est Ouais, par tes aptitudes j'étais... physiques, il y avait Bah d'autres ouais, choses. parce que... Bon, après, tout ce qui était course, j'avais du mal parce que j'étais à 100 kilos, donc il fallait arriver à courir. Mais après, tout ce qui était traction, faire les marches de 8 avec le pactage et tout ça, ça allait en fait. Donc, puis je pense que si tu te préparais pour... Donc moi, j'étais en fusilier marin. Si tu t'engageais, en fait, il fallait... T'avais le stage pour être commando marine. Et là, en fait, je pense que là, la condition physique, elle n'était pas vraiment du tout adaptée pour. Mais là, il aurait fallu que je change d'autres trucs, en fait. Que je cours, que je commence à me préparer vraiment pour ça. Mais comme j'étais pas dans l'optique de m'engager dans l'armée, je suis reparti dans la vie civile en fait. Toi, t'avais envie de faire quoi? C'est body à fond ou t'avais un Bah autre moi, métier en mon tête? but c'était de repartir faire des compètes en fait. Ça m'a mis juste un coup de frein. Je me suis dit non, c'est bon, maintenant je repars, je refais des compètes et puis c'était ça. Donc de toute façon, quand je suis sorti des études, à la base j'avais un diplôme d'imprimeur. Donc c'est moi qui j'étais sur la machine, tu sais, et je faisais les impressions quatre Ouais. couleurs et tout. Et puis en fait, quand le je suis sorti des en fait à l'époque c'était un diplôme, quand tu sortais du bac en fait, t'avais direct un boulot en fait, c'était obligé parce qu'il y en avait très peu, on était cinq à sortir chaque année. Et pourtant ça Ok. payait bien hein. À l'époque ça payait super bien, c'était en francs, je sais pas, je pourrais plus te dire le salaire en francs, mais c'était énorme en fait. Ça n'existe plus ça aujourd'hui. Et le conducteur offset, si, parce que comme ils impriment toujours les prospectus et tout, les catalogues, donc ça existe toujours, il y a toujours des imprimeries, mais des conducteurs offset, il en sort très peu en fait chaque année. Puis après, finalement, l'école où j'étais, ils ont arrêté 3 4 ans après, donc au final il n'y a plus de conducteurs offset. Mais moi je voulais pas parce que les horaires c'était les horaires de nuit, donc je pouvais pas m'entraîner. J'avais les mains pleines d'encre, j'aurais pas pu manger toutes les 3 heures comme je voulais. Donc du coup je suis parti faire un boulot qui avait rien à voir là-dedans, où je pouvais être tranquille en fait. Bon, et alors tout à l'heure, tu m'as dit, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, moi, il n'y a aucun problème. Donc, il y a la première qui me vient, c'est que avant ou pendant ton service militaire, est-ce que tu avais déjà utilisé des produits dopants pour la muscu? La première compétition que j'ai fait, je l'ai fait naturel. Ok. Donc, j'ai jamais rien pris sur les 5 premières années de pratique en fait, de 16 ans jusqu'à 21 ans, j'ai jamais rien pris en fait, parce que j'étais jeune et j'avais pas mon entraîneur en fait, il avait pas ça du tout en tête en fait. Ok. Et puis Donc attends, parce que là c'était il y a une vingtaine d'années aussi, peut-être que c'était pas c'était enfin c'était peut-être beaucoup plus underground ou quoi, mais c'était peut-être pas autant où tu commences et directement t'entends parler de ça et ses limites, on te propose directement de passer à des produits, on te propose directement de passer à des choses. Peut-être que je sais pas, Non, je sais à pas comment l'époque, c'était passé à l'époque. c'était beaucoup plus fermé, en fait. C'est avant que tu commences à approcher le milieu, déjà, il fallait que tu fasses tes preuves dans les salles. Tu vois, il fallait que tu voyais que tu t'entraînes, que tu n'étais pas juste un gars qui vient là pour faire deux, trois pompes et espérer avoir un peu de résultats, ou en te disant, bon, bah, ça y est, moi, je commence la muscu aujourd'hui, je vais prendre direct pour grossir, pour prendre 15 kilos, quoi. Il fallait que tu fasses tes preuves en fait, les gars ils te voyaient pendant des années. Puis moi je te dis, oh, les 5 premières années, le cercle était tellement fermé que déjà je savais même pas qui à l'époque aurait pu en avoir et tout. C'était vachement vachement fermé, déjà le milieu était fermé à l'époque.
Est-ce que tu penses que, alors là, rien à voir avec toi pour le coup, mais je suis curieux, pendant le service militaire, certains qui faisaient, alors peut-être dans ta période ou même, ben toi c'était les dernières années, donc forcément dans cette période-là, est-ce qu'il y en a qui, tu penses, utilisaient, avaient déjà eu, enfin, avaient recours à des stéroïdes anabolisants pendant le service militaire? Est-ce que tu crois que c'était possible ça? Non. Je sais pas, pour garder une shape ou. Non, parce que c'était impossible en fait de. Même moi, je vois pendant un an, c'était impossible. L'alimentation à l'armée, c'est impossible. C'est impossible. C'est. Ouais. Tu manges ce qu'ils te font au mess, le petit déj le matin, c'est. Ah non, il n'y a rien de. Heureusement que je me faisais livrer mes protes à côté parce que sinon, la bouffe à côté, c'était. Non, c'était. C'était pas ça du tout, ouais, non, c'était pas ça du tout. Les gradés, eux, ils vivaient en tant que militaires, donc ils allaient faire leurs courses à l'extérieur, tu vois, donc ils achetaient leur, même s'ils avaient leur chambre et tout, ils avaient leur frigo, et il y en a, les trois quarts, quand ils n'étaient pas de garde, ils habitaient à je sais pas moi, à 3-4 kilomètres autour, ils avaient une maison. Mais nous, qui étions appelés, on était en parqué dans une chambre avec 15 gars, si j'avais pas les protes, j'aurais perdu peut-être, je sais pas, ouais, 15-20 kilos. Mais mon physique en un an, il avait changé littéralement. J'étais resté à 95 kilos, mais j'étais plus sec comme j'étais. J'étais un peu enrobé, tu vois. Ça avait plus rien à voir. Même okay. Si je continue, heureusement que je continue à m'entraîner quand même, parce que c'est ce qui m'a sauvé quand même. Mais c'était quoi la marque que tu te faisais livrer? C'est quoi qu'il y avait? Il y avait MyProtein, Prozis, tout ça. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. À l'époque, c'était Multipower. Multipower. Ouais, c'était une marque allemande, je crois. Je crois qu'elle existe toujours d'ailleurs. Ouais, je regarde. Multipower. Alors, tu vois, je vois du Multipower, mais ça a l'air d'être du matériel d'entraînement. C'est un M en fait avec un le bout du M en fait ça part un peu en pointillé. Ok, bon. Ok, donc tu fais tes services militaires, bon ça se passe hyper bien, tu finis au bout d'un an, tu sors, t'as envie de faire carrière. Alors je t'ai pas demandé peut-être la première fois où t'es rentré dans une salle de sport ou ton premier entraînement, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu? Je demande régulièrement aux athlètes. Alors en fait quand j'ai commencé c'était en fait, j'avais à l'époque, quand j'habitais chez mes parents, j'avais un voisin à côté et j'avais jamais vu ça de ma vie. Moi, tu sais, je regardais toujours Hulk à la télé ou Conan le Barbare et en fait, j'avais mon voisin à côté qui était champion de France, champion d'Europe d'haltérophilie. Et c'était je sais pas, il devait faire 1m95, 115 kilos. J'avais jamais vu ça de ma vie en fait, de vrai. Aussi près de moi, j'avais jamais vu un mec aussi balèze que ça en vrai, en fait. Donc, et gras aussi? Non, il était pas gras. C'est ça le truc, c'est qu'il était. Ouais. Ah non, c'était une force de la nature et en plus il était tanké de fou. Donc et tout de suite j'ai été sympathisé vers lui, tu vois, parce que j'étais attiré déjà vers lui. Donc lui m'a un peu pris sous son aile comme parce qu'il avait pas de fils, donc il m'a un peu pris sous son aile comme son fils. Et puis, il voyait que j'étais tout le temps derrière lui, en fait. J'avais 16 ans, j'étais tout le temps avec lui. Donc, lui, il m'emmenait partout avec lui. Et un jour, il me prend parce qu'à l'époque, la salle, enfin, t'avais un carnet avec 10 tickets, en fait. Et il me dit, viens, je t'emmène avec moi à la salle et je te donne un ticket, tu prends et t'essayes. Alors, moi, j'étais tout content et tout. Et du coup, il m'a emmené à la salle la première fois et quand je suis redescendu, il me fait alors, bah je suis redescendu et j'ai pris l'abonnement tout de suite en fait. Je savais que c'était ça que je voulais faire. Et il me manquait en fait je savais pas comment faire en fait pour aller dans une salle à l'époque. Il y avait pas toute la pub, il y avait rien en fait. C'était que les magazines, les salles de gym. Maintenant t'as internet, tu tapes sur internet. À l'époque il y avait pas internet, donc tu savais pas comment trouver une salle en fait. C'était une autre époque en fait, c'est vraiment une autre époque. C'est ça, t'avais un gars que tu connaissais qui était musclé, tu lui demandais, il te disait je m'entraîne là, viens avec moi, c'est comme ça que ça s'est passé quoi. Et après de là, ça a été, une fois qu'ils m'ont engrangé dedans, c'était fini quoi.
C'est vrai que quand on prend du recul, c'est assez dingue parce qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le même paradigme. Aujourd'hui, c'est bon, l'Internet et puis la démocratisation du fitness, des salles de sport. Je veux dire, en un clic, tu sais où sont toutes les salles. Il y a des chaînes de salles de sport partout, que ce soit en France, en n'importe quel pays en Europe, ici au Canada, aux États-Unis, n'importe. Mais c'est assez difficile de s'imaginer un monde où déjà, tu veux chercher quelque chose et tu ne peux pas chercher quelque chose. Enfin, tu n'as aucun support pour chercher, si ce n'est peut-être un annuaire. C'est peut-être des gens autour de toi, en fait. C'est assez marrant. Hein. À l'époque, c'était ça. Hein. C'était comme, je sais pas, moi, le mec qui voulait draguer une fille, n'avait pas le choix, en fait. Si tu la voyais sur le fait, il fallait que tu ailles lui parler tout de suite, parce que sinon, tu la retrouvais pas. Mm. Alors que maintenant, la fille, t'es même pas obligé de lui parler, tu vas la retrouver sur Facebook ou Instagram ou tu vois, je veux dire, maintenant t'étais plus obligé de l'avoir tout de suite, en fait. Alors qu'avant, t'avais pas le choix. Tu dis, putain, si je vais pas lui parler maintenant, c'est fini, quoi. Ouais, c'est un parallèle marrant. Après, je pense que ça dépend parce que si t'es dans une ville qui est de taille petite ou moyenne, effectivement, t'as peut-être la chance de la retrouver ou de retrouver ou d'avoir des amis en commun et à un moment donné, peut-être de retomber sur elle. Mais si t'es dans une grande ville, je pense que la fille que tu croises et à qui tu ne vas pas parler, il y a peu de chances que tu la recroises ou en tout cas que t'aies son Facebook, son Instagram. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même un truc, c'est que comme t'as les applications derrière, tu peux la retrouver. Tu te sens moins. Tu vas te sentir moins embêté. Tu vas te dire, bon, mais j'ai loupé l'occasion, mais en fait, je pourrais peut-être essayer d'avoir d'autres occasions sur les applis. Ce qui marche quasiment pas d'ailleurs. Je pense que les gars le savent, ou ça marche très peu. En tout cas, une petite échantillon. Mais c'est plus facile aujourd'hui, je trouve, qu'il y a 20 ans en arrière. Quoi. Puis bon, il n'y avait pas les portables. Il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien, il n'y avait pas de SMS, rien. Donc, tu n'avais pas le choix, en fait. Mais au final, c'était une vie sympa parce que tu ne prenais pas la tête avec les réseaux sociaux, H24, la tête dans le téléphone. Tu vivais vraiment, je trouve. Des fois, ça manque un peu ce passé-là, je trouve. C'est ça. D'ailleurs, c'est fait curieux, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, toi, tu as une boutique de compléments. Ça fait plusieurs années que tu as cette boutique, non? Ça fait 6 ans. Ouais. 6 ans. Tu es sur le web aussi? J'ai pas de site internet pour la boutique. Ok, j'ai que la page Instagram de la boutique qui me sert honnêtement largement. Et après, il y a le compte Instagram perso, en fait, où les gens. Je mets beaucoup de choses par rapport à la boutique. Du coup, c'est vrai que après il y a le fait d'être plus ou moins connu dans la région, les gens ils savent que. Est-ce que justement les gens ça leur arrive de venir à la boutique pour te rencontrer, pour je sais pas faire une photo, discuter avec toi parce qu'ils t'ont vu sur les réseaux, que tu as une certaine popularité. Ouais, c'est bizarrement ça a été avant c'était un peu des gens, des touristes et tout qui venaient l'été, tu vois, qui disaient ah, c'est Mika et tout, on va faire une photo. Et puis après il y a eu la vidéo avec Thibaut. T'as explosé. Où là, c'était un truc de fou. T'avais des petites 16 ans qui passaient devant la boutique et qui hurlaient, qui disaient « Ah, mais vous avez fait la vidéo avec Thibaut et tout, je peux faire une photo. » Mais j'avais jamais vu ça, en fait. Limite, tu te disais comment la muscu, en fait, ça a pu attirer... comment ça a pu attirer comme ça, en fait. Et tu vois que c'est là où tu vois que le jeune, là, Thibaut, il a une influence qui est énorme, en fait. Et du coup, tu te retrouves avec des petites 14 ans, 15 ans qui « Ah, monsieur, c'est vous, je vous ai vu avec Thibaut, je peux faire une photo avec vous. » Donc, ça a été autre chose encore. Ouais, est-ce que ça t'a gêné, ça, ou pas? Non. T'as apprécié? Non, c'était drôle. C'est drôle quand t'as des petits comme ça qui viennent te voir. Tu te dis « Ah, je vous ai vu avec Thibaut et tout, je peux faire une photo avec vous. » Ouais, bah oui. C'est drôle, puis ils sont marrants, les petits. Ouais, c'est vrai que j'ai vu faites des tractions avec un bras et tout, putain c'est chaud. c'est marrant, les gosses, de toute façon c'est cash, donc du coup eux ils cherchent pas trop à savoir s'ils blessent ou pas, tu sais qu'ils sont nature, en fait. Ouais, c'est vrai, et du coup de pas avoir cette impression de dire les choses comme elles sont, comme ça enlève un certain côté tabou ou une certaine gêne, ça enlève
ça enlève quelque chose dont il ne faudrait pas parler, ou en fait il y a pas de problème quoi. C'est un peu ça. C'est ça. T'en as limite, tu sais que ça va les déranger de parler de ça parce qu'ils veulent, ils te disent ah j'ose pas et tout, alors que au final moi ça me dérange pas en fait. Tu vois c'est pas un sujet tabou en fait. Parler de mon accident, parler de ce qui s'est passé, la rééducation après et tout. C'est pas ça me dérange pas d'en parler, au contraire, tu vois là. Au mois de septembre là, tu vois, c'est un truc je suis super content en fait, parce que je vais être parrain en fait d'une journée en e-sport dans un centre pour les personnes qui ont eu des accidents en fait. OK. Et c'est génial, tu vois, c'est d'aller voir des personnes justement qui sont eux en phase de reconstruction et de rétablissement et d'aller voir ouais, parce que moi je me suis retrouvé à cette place-là et du coup d'aller les voir et de passer la journée avec eux, c'est un truc que j'ai hâte de faire. Ouais, tu vas sentir tu vas peut-être réveiller des, alors peut-être pas éveiller des passions, mais en tout cas Peut-être que eux ils vont se dire putain, je pensais pas que j'y arrive, je pensais peut-être pas que ça serait possible, parce que tu crois que c'est vrai que moi aussi au départ je me le suis dit, hein, une fois que t'as eu une fois que t'as ça, tu te dis putain, ma vie maintenant qu'est-ce que je vais faire quoi, ça va changer. Et puis au final, quand tu reprends le cycle de la vie, ouais, elle a changé, mais différemment. Les choses que tu peux plus faire avec deux, bah tu les fais pareil avec une. Sauf qu'au lieu de mettre, je sais pas moi, 5 secondes pour réfléchir, bah tu vas réfléchir un tout petit peu plus. Tu vas te dire comment je peux faire, par exemple, pour emmener 3 assiettes de verre avec une main, alors que avec 2 mains c'est facile en fait. Bah, en fait, tu réfléchis et puis tu vois qu'à une main, c'est possible. Donc, il y a des choses, des fois, tu vas réfléchir un petit peu plus. Mais au final, il n'y a rien d'insurmontable, en fait. Il n'y a rien d'impossible. C'est intéressant. Je pense qu'on va tous être d'accord avec ce que je vais dire à peu près. C'est que c'est quand même c'est très difficile, et c'est pour ça que je vais te demander aussi, de s'imaginer... pour ceux qui n'ont pas eu de, qui ont tous leurs membres, tu vois, qui ont tous les doigts, toutes les deux mains, les deux jambes, c'est difficile de s'imaginer avoir un accident et de perdre un membre. Si moi j'essaie de réfléchir, c'est extrêmement difficile pour moi de imaginer comment je me sentirais ou comment j'ai presque ce réflexe mental de me dire non mais je veux absolument pas m'imaginer. Toi, avant que ça t'arrive, est-ce que t'avais déjà eu, tu sais, parce que quand on est jeune, on a des campagnes, par exemple à l'école, de attention, de pas boire de l'alcool quand on fait du dos roue, etc. Parce que voilà ce qui peut vous arriver. Vous pouvez avoir un accident, vous pouvez rester paralysé, vous pouvez perdre les facultés motrices, mentales, vous pouvez être amputé. Et il y a ce truc de ça fait peur, mais on ne s'imagine pas en fait ce que ça fait. Est-ce que toi, tu avais déjà pensé auparavant qu'il puisse t'arriver quelque chose comme ça? Je sais pas si c'est une question un peu bête. Tu sais, je vais dire honnêtement, je pense que les gens, en fait, ils pensent qu'il pourra jamais rien leur arriver. Jusqu'au jour où malheureusement, il leur arrive ça et là, ils te disent « Ah putain, tout le monde se croit invincible, indestructible. Moi, il m'arrivera jamais rien dans la vie. » Et t'en vois plein, des gens comme ça. Les gens qui ils en ont rien à faire, tu vois, de toute façon, les 3/4 des gens, t'as l'impression que pour eux, leur vie, c'est... Sauf que la vie, c'est malheureusement, elle prévient pas, en fait. Et t'en as, en 2 secondes, le mec, il traverse la route, il se fait écraser, alors que jamais il aurait jamais pensé ça, quoi. En fait, tout est imprévisible. Tu peux pas calculer ta vie, en fait, et te dire... Moi, jamais j'aurais pensé que ça m'arriverait, un truc comme ça. Si j'avais pensé... Je suis né avec mes 2 bras, mes 2 jambes. Jamais de ma vie, je me serais imaginé qu'il m'arriverait un truc comme ça à 23 ans. Quoi. 23 ans. En plus, ouais. Je sortais de l'armée, j'étais bien, je travaillais, j'avais une copine et tout. Tu vois, je veux dire, jamais de ma vie, j'aurais me serais posé la question en me disant, est-ce qu'il peut m'arriver ça? Mais le moment, il va tellement vite que t'as pas le temps de dire ouf qu'il s'est passé déjà. Donc, t'as pas le temps de te dire oh putain ça arrive, je rétrograde ou alors je reviens un peu en arrière pour éviter que ça m'arrive. T'as pas le temps. C'est là. Ça arrive sur le fait en fait. Pam. Y a pas de moment de réflexion. Tu peux pas te dire je vais essayer de me protéger et tout. T'as juste le temps de faire et bam, voilà, c'est fait.
C'est... Et là, tu te dis, putain, si j'avais su, non. Si même pas. Non, parce que quand tu sors de, quand après que je me sois sorti du coma, la première chose que je pensais, c'est moi déjà, c'était refaire de la muscu, donc je pensais pas en fait à me dire est-ce que si j'avais fait ça, j'aurais fait ça. Première chose, parce c'était que toi, de me retaper. En fait, t'as eu un accident de voiture, c'est ça? Et t'es tombé d'un ravin où t'as la voiture qui a basculé? Ouais, c'est ça, la voiture dans un virage, en fait, elle a glissé. C'était au mois d'octobre, donc il y avait la chute des feuilles. Tu sais, la route, elle était super grasse. Et à l'époque, les directions assistées, c'était pas aussi bien maintenant. Et la voiture a glissé, en fait, et il y avait un ravin derrière. Donc la voiture, elle est partie en travers et elle a tout de suite été sur le côté, en fait. Et le temps de freiner. Il n'y avait pas de rambarde. Non, il n'y avait pas de rambarde. Donc c'était vraiment une route, un virage à 90 et direct le fossé derrière, en fait. Et la voiture dans le virage, elle a glissé. Et la chute des feuilles, en fait, ça l'a fait patiner. Et elle est partie tout de suite en cascade, en fait. Donc j'ai fait. J'ai fait 5 ou 6 tonneaux, je crois. Ah ouais, d'accord. Donc c'était un sacré ravin, quoi. Ouais, il y avait 15 mètres. Ok. 15 mètres de forêt. Donc, c'est pas 15 mètres de plat, c'est 15 mètres de forêt. Donc, c'est des arbres, en fait. Bam, bam, bam. Donc, ça tabasse dans tous les sens. Putain, ok. C'était quelle région de France? Sud-Est? Non, c'est à côté de Paris. Bah, c'est là où vivaient Yves Montand et Simone Signoret. D'accord. Putain, je sais plus la ville où ils habitaient, là. À côté de Aubevoie, je crois. Ouais, c'est à côté d'Aube. Je sais plus où ils habitaient, c'est Sainte-Colombe-la-Commanderie. Non. Saint-Lys. Alors là, je vois que Yves Montand, il est mort à Saint-Lys dans l'Oise. Je sais pas si c'est Non, c'est pas ça. Non, c'était pas. Ils avaient une maison en Normandie je me rappelle plus, c'est à OK, bon, c'est pas C'est à côté de Gaillon, à côté de Non, pas Gaillon. Oh là là, je Sur ça, j'ai un trou. Je ne sais plus le nom du patelin, mais ouais, c'est pas grave. Hein. Je passais tout le temps devant leur maison. En fait. Tu passes devant leur maison. Tu vivais là-bas ou t'étais en vacances? Non. En fait, ma copine habitait là-bas à l'époque. La fille avec qui j'étais à l'époque, elle habitait là-bas et moi, j'habitais à côté. En fait, donc, je prenais la voiture à chaque fois et je travaillais sur ce lieu-là. En fait, donc. Ok, parce que là, en termes de chronologie, en fait, tu as terminé donc, ton service militaire à quoi, 21 ans, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. 21 ans ouais. Non, je suis parti. J'ai fini mon service en 97 et j'ai eu mon accident en 97. Je suis parti en juin 97 et j'ai eu mon accident en octobre 97. Ah, ok, donc vraiment quelques mois après. Donc, tu n'as pas eu le temps de. Ouais, tu t'es sorti, tu t'es remis un petit peu au bodybuilding, etc. Et puis, bon, il t'est arrivé cette couille. C'est ça. Quelques mois après, quoi. Ah, ça a été dans la foulée, en fait. Quand tu tombes, là, tu tombes dans les pommes, enfin, t'es conscient de ce qui se passe? Non, je suis resté éveillé pendant tout le temps, en fait, jusqu'à ce que les pompiers ils arrivent. Parce qu'en plus, c'était vraiment. C'était une forêt, donc c'était super sombre. Il y avait très peu de passages de voitures. Aux alentours de 3-4 heures du matin et pas de téléphone à l'époque parce que les téléphones à l'époque quand ils étaient éteints tu pouvais t'avais pas les numéros d'urgence quand ah, c'était oui, éteint okay. Tu vois c'était même il fallait que tu mettes d'abord le code et après tu pouvais appeler le numéro d'urgence donc et les téléphones ils avaient volé à droite à gauche donc on les retrouvait pas et comment tu fais à ce moment là tu klaxonnes t'essayes de je suis resté la main appuyée sur le klaxon pendant moins une heure ouais. Et en fait, c'est un mec qui est passé devant. Au départ, parce qu'il voyait la voiture. En fait, la voiture était donc sur le toit et les phares étaient éclairés vers le ciel, en fait. Donc lui, au départ, il pensait que c'était un paysan qui faisait les moissons. Parce que c'était en octobre. Et en fait, arrivé chez lui, il fait, c'est bizarre quand même. Il fait au mois d'octobre, il n'y a pas de paysan dans les champs. C'est bizarre, en fait. Mmh. En fait, le mec est revenu. Au départ, il a eu peur parce qu'il croyait que c'était peut-être un traquenard... Tu vois, donc il est revenu prudemment, il s'est arrêté, et là il a entendu les klaxons et crier, et de là il a appelé les pompiers, et ils sont arrivés
Après, ça a été vite. Hein. Après, en je sais pas, 15 minutes, c'était là, je crois. 15-20 minutes. Ouais. Toi, dans la voiture, t'es conscient de. Alors, t'es conscient de ce qui se passe, ouais, mais tu réalises. Enfin, tu te dis, bon, je suis safe, ou alors merde, je sens qu'il y a des choses qui vont pas là, il y a des choses qui sont. Non, cassées. Je savais que le bras. Je savais que le bras était arraché, en fait. Parce que j'avais un gilet. Ouais. Donc, j'ai pas la vision, en fait. Mais quand t'as le bras qui arrive à la hauteur de la cheville, tu fais. Ok. Il y a un problème. Tu sens rien? Tu sens rien parce que le muscle, tout est chaud en fait. Tu vois, tu vois que le bras il se balance comme une poupée en fait. Le bras il flotte. Mais je le voyais pas parce que je pense que c'est ça aussi qui m'a épargné beaucoup de choses, c'est que j'ai pas cette vision en fait d'avoir vu le bras arraché en fait. C'est d'avoir le qui à la rigueur que tout soit fait, mais que ça soit resté dans le gilet, je pense que c'est ça qui m'a laissé une vision bien en fait. Et puis t'es pas tombé non plus dans les pommes, ce qui t'a servi, parce que si t'étais tombé inconscient, t'aurais pas eu l'occasion d'appuyer sur le klaxon, peut-être que personne t'aurait vu et je sais pas. En fait, le corps bizarrement, il te maintient en vie jusqu'à ce que les secours soient là. Ouais, ouais. Et une fois que tu sais que les secours sont là, le corps il se relâche. Et c'est là où tu commences. Partir, là. Et c'est là en fait que tu te dis ça y est, je pars. C'est fini. Et tu pars tout doucement en fait, tu t'endors, tu sais pas ce qui se passe en fait. Et le corps il se relâche. De temps en temps t'as des moments de réveil. Je me souviens que j'étais sur le brancard avec les pompiers. Après je me suis rendormi. Eux ils m'ont mis direct des produits d'anesthésiant. Et après je me suis réveillé un peu dans le camion et puis après plus rien. Trop noir. Et pendant ces moments-là, est-ce que tu. Toi, tu as un doute sur le fait que tu vas vivre ou tu. Tu penses même pas. Tu penses même pas, en fait. Juste quand tu. T'as juste des moments où tu te réveilles, tu vois des pompiers, par exemple, tu te rendors, tu es dans le flou, en fait. Tu penses à rien. Tu te réveilles, tu te dis, bah, je suis là et tu repars. Ouais, tu penses à rien, quoi. Enfin, tu penses à rien. T'as plus mal, déjà. T'as plus mal, t'as plus de douleur, tu sens plus rien et. Et après, t'attends. Et après, tu t'endors. Et quand tu te réveilles à l'hôpital, c'est quelques jours après, quelques heures après. Trois comment semaines tu après. Te sens ah ouais, t'es resté trois semaines dans le coma. Je suis resté trois semaines dans le coma, ouais. Premier jour, je me suis réveillé. J'ai rien compris ce qui se passait. J'étais dans une chambre, les murs étaient blancs. Je savais pas où j'étais. Tu te souvenais pas de l'accident? Ah non, je sais qu'en plus ils m'ont rapatrié en fait de là où j'ai eu mon accident à Évreux, à Paris, ils m'ont rapatrié en hélicoptère. Mmh. Je me souviens pas. Et donc en fait j'étais à l'hôpital à Paris alors que je pensais que j'étais à côté de chez moi en fait. Je savais pas où j'étais. Quand ils m'ont dit vous êtes à Paris. Je suis à Paris, c'est loin, comment je vais faire, ma mère et tout. Et puis au final, quand je me suis réveillé, il y avait mes parents qui étaient là. Quand tu te réveilles, tu te dis, bah, qu'est-ce que je fais là? Et puis on t'explique, bah, en fait, voilà, tu as eu l'accident là, est-ce que tu t'en souviens? Ça revient d'un coup ou alors ça te met plusieurs semaines pour te rappeler? Parce que là, tout ce que tu m'as décrit, tu vois, les tonneaux, le fait que tout vole, le gilet, tout ça, ça t'est revenu après? Non. En fait, j'ai eu personne. En fait, les infirmières, elles venaient là et elles te soignaient normal. Mais il n'y avait personne pour te dire, il vous est arrivé ça, vous avez eu ça. C'est le professeur en fait qui est venu après pour t'expliquer un peu les choses mais au départ tu te réveilles on a l'impression que les gens ils te laissent te réveiller tranquille et ils voient comment tu vas digérer la chose. Ouais et puis ouais et puis c'est à ce moment-là qu'il te dit t'es déjà on t'a amputé le bras encore ou on m'avait déjà encore, amputé ouais ils m'ont amputé le bras je crois que le lendemain, en fait, que je sois dans le coma, ils avaient demandé l'autorisation à ma mère, mais ils l'avaient déjà fait, je crois. Parce que sinon, j'avais fait trois arrêts cardiaques, septicémie, gangrène. Le bras était fracturé en 6.
Donc, ils avaient déjà pris la décision de couper parce que c'était pas gérable, en fait. Est-ce que tu leur en as voulu après, d'une certaine manière, ou je sais pas, ou t'es inconsciemment de dire putain, pourquoi ils ont pas essayé de réarranger? Enfin, je sais pas si je me pose cette question. Ouais. Non, ça m'est jamais venu. Non, je me suis dit, voilà, ils l'ont fait, c'est que ça devait être nécessaire. Après, ils m'ont dit, si on avait pu le sauver, le problème, c'est que vous auriez eu un bras mort, en fait. Non utilisable. Ouais, donc, après, tu sais, honnêtement, je vois des fois, j'ai vu des personnes avec un bras mort. Tu vas te baigner, t'as le bras, il flotte. C'est plus une gêne, en fait, vestimentaire, pour t'habiller, pour tout, en fait. Quand t'as quelque chose de mort à côté, je pense que c'est eux qui ont pris la décision parce que ça aurait pas pu être gérable, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te vois, quand on te l'annonce, quand tu le vois, est-ce que tu te projettes en train de continuer à aller faire du sport? Est-ce que tu te projettes à te dire, ben, c'est pas grave, je mettrai une prothèse peut-être plus tard, ou alors est-ce que tu te dis, putain, c'est la fin des haricots, expression d'ailleurs. Non, en fait, c'est quand je me suis réveillé, en fait, moi, je leur ai dit, bon, quand est-ce que je peux rattaquer la muscu? Déjà, ils m'ont regardé avec des yeux, ils m'ont dit, calmez-vous. Et en fait, j'avais la colonne vertébrale, en fait, qui a été touchée. Et ils savaient pas, en fait, si j'allais remarcher un jour. Parce que apparemment, c'était une erreur de la fille en réa, en fait, quand t'es en réanimation, tu sais, t'as des lits avec des barrières sur les côtés. Et la fille, je crois qu'apparemment, elle a oublié de mettre les barrières sur les côtés, ce qui fait que je suis tombé. Mais je suis tombé tête plate sur le sol, en fait. Ce qui fait que je me suis fait un traumatisme crânien et du coup, ça a sectionné un nerf dans la colonne vertébrale. D'accord. Et donc, de là, ils ne savaient pas si j'allais pouvoir remarcher un jour ou combien de temps ça allait remettre. Donc, je crois que c'est la seule fois, en fait, où là, j'ai pris... j'avais le respirateur artificiel à côté de moi, en fait, et je l'ai pincé. Et la bouteille d'oxygène, elle a atterri sur le gars qui était à côté de moi, en fait, dans son lit. Donc là, les infirmières sont venues en urgence, elles m'ont attaché, elles m'ont remis le respirateur artificiel. Et après... Parce que ça, c'était quoi? C'était une tentative d'en finir à ce moment-là? Quand ils m'ont dit, on ne sait pas si vous allez remarcher un jour, je me suis dit, attends, fauteuil, bras en moins, tu sais pas, en fait. Donc du coup, je crois que... En fait, c'est vraiment sur l'instant T, tu réagis pas, en fait, tu te dis, ouais, ça fait trop, là, trop, trop, trop. Donc, du coup, tu réfléchis pas, tu le fais, bam. Mais c'est ça, en fait, ce que je veux dire, parce que la façon dont tu le dis, enfin, tu vois, c'est la façon dont tu le racontes, c'est assez extraordinaire, parce qu'il y a une espèce de stoïcisme, comment tu le racontes. Je pense que ça se ressent, tu vois, il n'y a pas de... Je sais pas si ça te fait remonter des émotions ou pas, et c'est pas le but, de toute façon, mais tu le racontes d'une manière très factuelle. Et c'est à se demander si sur le moment, et alors là tu racontes ce moment-là, donc c'est qu'on s'imagine quand même que c'était quelque chose, quoi, c'était pas rien. Mais on peut avoir l'impression que comme si tu as vite fait le deuil, tu vois, du bras, comme si c'était comme ça, c'est bon. Et je sais pas, moi, si j'étais à ta place là, là aujourd'hui, enfin, ça serait psychologiquement, je sais pas comment je le vivrais, en fait. Et j'ai l'impression que tu l'as vite vécu comme si je l'avais vite accepté. Bah, je pense que quand tu es sur le fait accompli, en fait, tu as deux possibilités. Quand tu es sur le lit d'hôpital, c'est où tu te laisses aller. Et la descente, elle va vite. Elle va super vite. Mmh. Ou alors, l'autre côté, tu te dis non, il y a peut-être d'autres choses à faire et avancer, continuer. Et dès que je suis sorti de l'hôpital, en fait, qu'on m'a dit non, vous allez pouvoir remarcher et tout, là, je me suis dit bon, bah, ok, ça remettra le temps qu'il faut, mais je vais pouvoir refaire ce que j'aimais, en fait. C'est quoi qui fait la différence, selon toi, entre le moment, enfin, qu'est-ce qui fait basculer la balance entre je lâche tout, je me résigne à cette situation, et ou l'inverse,
C'est comme ça, je vais me battre et puis je reprends d'espoir et puis ça continue et ça va continuer d'autre manière et peut-être même encore mieux dans un sens. C'est, je sais pas, ça arrive, je sais pas, ça vient tout seul en fait. De toute façon, t'as pas le choix en fait. T'en as vu toi par exemple des gens qui avaient eu des accidents et puis qui se sont complètement laissés aller? Ou alors la grande majorité finit par, par retrouver les forces? Non, non, en fait, moi, ce qui m'a rendu la force, en fait, c'est quand après l'accident, en fait, je suis parti dans un centre de rééducation. Et dans le centre de rééducation, en fait, t'avais que des personnes qui étaient amputées, en fait. Donc, t'avais des, t'avais une journaliste de BSD, t'avais des jeunes qui ont eu des accidents de moto. Tu vois, il y a eu plein de trucs comme ça, en fait. Et tu vois que tous ces jeunes-là, ils étaient soudés entre eux. Tu voyais qu'il y avait pire que toi, en fait. La jeune de VSD, par exemple, la journaliste, elle était, c'était une fille. Elle m'a fait voir des photos d'elle avant. Mais la fille, elle était magnifique, quoi. C'était une fille brune. Et en fait, elle a eu l'accident. Elle est restée dans la voiture. Elle a brûlé dans la voiture. Elle a perdu ses deux mains. Et elle avait plus du tout de visage et de corps, en fait, puisqu'elle est restée brûlée. Donc tu te dis, ok, moi j'ai ça, mais il y a toujours pire, en fait. Et puis au final, après, entre jeunes, on se soutenait tous, tu vois. Parce que les plus vieux, déjà, ils avaient un peu plus, pas d'expérience, mais ils savaient que t'étais à ce moment-là où tu étais faible et qu'il fallait te remonter. Donc c'est eux qui t'aidaient à remonter. Et du coup, c'est ça qui a fait que je pense que je suis remonté plus vite. Est-ce que tu l'as vu, le film de Grand Corps Malade qui s'appelle Patient? Non. Ben, je sais pas si je te le recommande, c'était juste une question, mais en tout cas je le recommande aux auditeurs, hein, aux spectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent, qui l'ont pas vu. Donc c'est Patient, c'est une comédie vite fait le synopsis, c'est ça, suite à un accident de sport dans une piscine. Donc c'est le personnage principal qui est devenu tétraplégique. Il arrive dans un centre de rééducation et puis il va se faire des amis et puis ils vont essayer de se tirer vers le haut comme ça. Un petit peu ce que tu me racontes, c'est pour ça que ça m'y fait penser. Le film est vraiment bien et puis il y a beaucoup de vécu par Grand Corps Malade, donc je le recommande. C'est assez impressionnant. Toi tu rattaques. Je crois que j'avais entendu que tu n'avais pas accès à la salle de sport au départ, mais que tu as quand même fait en sorte de pouvoir aller t'entraîner, de recommencer à bricoler un peu pour te remettre dans le bain. En fait, au centre de rééducation, il y avait une salle de muscu, mais je ne pouvais pas y aller, ils ne voulaient pas. Donc en fait, je savais que les médecins, à 6h du soir, ils partaient. Donc il n'y avait plus personne, en fait. Il n'y avait plus que les gardiens à l'entrée, et puis un ou deux médecins, mais là-haut, ils étaient occupés à faire les soins dans les chambres et tout. Donc moi, je partais à la salle de muscu au centre de rééducation, ouais. Et je commençais à retrouver, à reprendre des sensations avec les machines et tout. Donc, et puis toi, final, que t'es pas le droit, t'en as absolument rien à foutre à ce moment-là. Non, c'est ça, quand ils m'ont dit « non, vous avez pas le droit », je dis « ouais, c'est ça ». Je dis « alors là, le droit, je m'en fous, en fait, je le prends ». Est-ce que par exemple avant l'accident, si on t'avait dit quelque chose comme t'as pas le droit, est-ce que tu l'aurais fait quand même ou tu te serais abstenu? Non, parce qu'après moi je suis quelqu'un, je suis assez respectueux en fait. Quand on me dit voilà, tu peux pas aller là parce que c'est interdit, je vais pas forcer en fait, je suis pas. Je suis pas bête non plus, tu vois. Il y a des choses que je... Mes parents, ils m'ont quand même bien appris des choses, tu vois. Il y a des trucs. Si on te dit non, c'est pas bien, tu vas pas le faire non plus, quoi. Juste pour impressionner. Pour savoir à quel point, tu sais, ça a peut-être changé ta psychologie ou ta façon de voir les choses, et ce qui fait que tu étais beaucoup moins à respecter des choses qui pour toi n'embêtaient personne. Parce qu'en fait, à partir du moment où ça embête personne et que ça concerne que moi. Quand on me dit t'as pas le droit, je m'en fous en fait. C'est là, je savais que pour moi c'était un besoin.
c'était pas juste pour faire du sport parce que j'avais envie de faire du sport. C'est que moi, c'était un besoin, la salle de gym. Quand j'étais sur le lit d'hôpital, je regardais les bouquins de muscu. J'avais qu'une hâte, c'était de reprendre la salle. Donc là, j'avais une salle à portée de main. J'allais pas la regarder tous les jours et passer à côté, en fait. Donc, ouais, je suis retourné tout de suite. Et comment t'as fait alors? Parce que t'es amputé. Est-ce que t'as quelque chose sur le moignon? Est-ce que t'as une protection? J'avais tous les pansements encore. Non, j'avais ouais. Les pansements encore. J'avais parce que j'avais encore toutes les cicatrices. J'avais les prises de greffe. Donc, du coup, j'étais encore en pleine cicatrisation. Donc, je m'entraînais sur les machines, en fait, où je travaillais que le côté où j'avais le bras, en fait. Donc, l'autre côté, je touchais pas trop et je faisais attention quand même. Je m'entraînais juste pour retrouver les sensations. Je faisais pas des entraînements comme je refais maintenant. C'était plus pour retrouver les sensations sur les machines et. Ouais. Et alors, ça s'est passé comment? Est-ce que t'as de suite repris le goût? Tu t'es dit, putain, ça va être dur? Ou alors, finalement, ça va aller? Non, j'étais content parce que je pouvais me rentraîner, en fait. Donc, rien que ça, c'était. Et puis, je savais qu'une fois que j'allais rentrer chez moi, j'allais pouvoir me réentraîner vraiment. Là, c'était juste pour me remettre un peu en forme et en condition. Et après, je savais que j'allais pouvoir me réentraîner sérieux. Comment tu as passé de temps dans le centre de rééducation et jusqu'au moment où tu rentres chez toi et tu peux reprendre l'entraînement? Il s'est passé combien de temps et je suis resté quelle phase un mois, tu traverses? Un mois au centre de rééducation. Ouais, parce qu'en fait, c'est le mois en fait où j'ai commencé psychologiquement à descendre. Parce que le problème dans les centres de rééducation, c'est qu'ils vont te mélanger les jeunes, ou principalement les jeunes, c'est que des accidents. Et les personnes âgées, en fait, les trois quarts, c'est parce que ou ils ont de la goutte ou des AVC, des choses comme ça. Ouais, donc tu vois, ils vont leur couper la jambe parce qu'ils ont de la goutte. Alors le problème, c'est qu'une personne âgée, à la base déjà, elle se sent prioritaire. Et quand elle est amputée, elle se sent doublement prioritaire, en fait. Ce qui fait qu'à chaque fois, il y avait toujours des guerres entre les jeunes et les anciens. Et le problème, c'est que dans la chambre, c'est là où c'est pas logique, c'est qu'au lieu de mettre par exemple des jeunes ensemble, moi ils me mettaient avec un papy qui avait 70 ans. Donc papy, à 6 heures du soir, il allait se coucher, il avait mangé. Moi, à 6 heures du soir, j'avais pas envie de dormir. Moi, à 6 heures du soir, donc du coup je partais dans les chambres et je rentrais dans ma chambre, il était minuit, 1 heure, tu vois, je veux dire, vie d'un jeune, quoi. Du coup, lui, à 6 heures du matin, il était debout. Moi, je me levais à 8 heures. Tu vois, en fait, c'est pas adapté. En fait, c'est comme si, je sais pas, toi, t'allais retourner vivre chez tes parents parce que tu devais retourner chez tes parents. T'as plus le même rythme de vie, en fait. Et du coup, c'est pas du tout adapté. Je crois que j'ai un client qui arrive. T'as quelqu'un? Vas-y, ouais. tu peux t'en occuper. Je vais meubler. Tu meubles? Pas de souci. Ça marche. Ouais, t'inquiète pas. Je commence à avoir l'habitude maintenant, donc. Alors bon, comment je vais meubler ça pour commencer? Ouais, parce que je me suis marqué mes petits trucs à côté. Donc bon, si vous aimez l'épisode jusque là, ça vous. Moi, je suis happé par. Je pense qu'on est tous plus ou moins happés par ce genre d'histoire, par ces anecdotes, par les handicaps, par les accidents qu'on peut avoir, parce que ça nous renvoie à notre propre intégrité aussi, à notre propre identité. Donc c'est assez. Ça nous fait réfléchir aussi sur nos priorités, la vie, tout ça. Bah, si ça vous plaît, allez-y et commentez. De toute façon, c'est maintenant qu'il faut commenter. Hein. Je veux dire, gardez-moi dans vos oreilles le temps que Mickaël revienne. Alors, Mickaël, je ne sais pas si tu m'entends. Il va falloir que tu appuies sur le bouton démute après lorsque tu vas revenir. Mais je pense qu'il est avec le client là. Bon, il est muté. Donc ouais, écrivez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Si je pose les bonnes questions aussi, s'il y a certaines questions où je vais un petit peu trop loin, j'essaie jamais d'aller dans le sensationnalisme non plus. Mais en même temps, je pense que il y a plein de choses dont on a envie de savoir. Et je pense que c'est utile de poser certaines questions qui des fois sont un petit peu qui flirte avec un peu trop d'intimité, mais parce que ça décomplexe aussi. Et puis, ça enlève du tabou, comme on le disait tout à l'heure.
sur certains sujets et puis ça permet de se remettre en cause. Donc bon voilà. Bon alors le premier truc c'est commenter, hein, allez-y, hein, faites-vous plaisir, laissez une note sur Apple Podcast, tu vois. J'en profite parce que d'habitude c'est le genre de choses que je dis à la fin des épisodes lorsque il y a plus personne. Non, pas lorsqu'il n'y a plus personne, lorsque les gens commencent à partir quand l'interview est terminée. Donc je vais en profiter pour vous dire maintenant, bon ça fait quand même une heure d'épisode, mais la meilleure façon si vous voulez soutenir le podcast c'est de laisser une petite note sur Apple Podcast, donc qui est l'application par défaut des iPhones. Si vous écoutez, vous êtes plus de 60% je crois sur les applis à écouter sur les iPhones, donc allez-y sur Apple Podcast, la petite application violette, et puis laissez une petite note, laissez un commentaire, 5 étoiles s'il vous plaît, c'est toujours mieux que 4, 3 ou 2 étoiles. Si vous n'aimez pas, quittez cet épisode. Mickaël, je vois que tu es de retour. Clique sur le petit micro, parce que tu es en mute là. Le petit micro qui est sur ton truc pour te démuter. C'est bon ? Voilà. Ouais, là c'est bon, je t'entends. Ok, bah écoute, t'es revenu, c'est bon. Tu as fait le travail. C'est bon, j'ai fait le job. Ok, parfait. Donc on disait ouais que finalement t'étais pas à la bonne place avec ouais vous étiez pas bien, vous étiez trop mélangé entre les jeunes, les vieux et que ça te servait pas et finalement t'es rentré au bout d'un mois. T'as raccourci le séjour. Hein. Ouais, en fait du coup je venais en hôpital externe. Parce qu'en plus, c'est eux qui s'occupent de faire les prothèses et tout. Donc, du coup, c'était plus simple de venir une heure, tu vois, et faire un essayage et de repartir que de rester en permanence là-bas. Parce que le truc, il n'est pas fait pour psychologiquement, pour te remonter le moral. Il vaut mieux que tu sois plutôt chez tes parents si tu veux remonter plus vite et retrouver une vie normale quasiment. Il faut que tu rentres tout de suite dans la vie. Vie active, donc retrouver ouais, la famille. Ouais. Exact. Ouais. Ouais. Et alors toi, tu retournes à ce moment-là, t'es chez tes parents, 23 ans, j'imagine, et puis de toute façon, ouais, alors t'avais déjà ton appart. Non, je crois même pas. Non, parce que je suis parti, moi, au final, je suis parti à 17-18 ans, donc après, je suis parti à l'armée, donc non, j'étais encore chez mes parents, en fait. Donc, 23 ans, j'étais pas encore parti... Non, et puis de toute façon, enfin, si j'imagine aussi que si tu avais été indépendant, je veux dire, si tu avais ton propre appartement, tu serais pas parti vivre tout seul non. En sortie de rééducation, de toute façon. Non, t'as besoin aussi. C'était pas possible, parce que j'étais paralysé au niveau de la jambe, donc il me fallait quelqu'un pour je pouvais pas monter les escaliers, je pouvais pas, c'était impossible, hein. Il y a des choses que je pouvais pas, hein. C'était impossible. Et est-ce que tu as la sensation, j'ai déjà entendu ça, je crois que c'était par un des profs que j'avais en physiologie, qui je crois avait dit que beaucoup de personnes qui ont été amputées des bras au niveau de l'épaule avaient toujours cette sensation d'avoir le bras dans le dos. Parce que comme tu ne vois pas ton bras, c'est comme si tu avais toujours l'impression d'avoir le bras dans le dos. Est-ce que tu l'as vécu ça ? Alors moi, j'ai toujours les douleurs fantômes en fait. Sauf que moi, ce n'est pas le bras dans le dos, c'est moi je sens que la main en fait. Tu vois, la main, en fait, la journée, elle est comme ça. La main, la journée, je la sens, elle est crispée. Et le seul moment, en fait, où elle se décrispe, c'est quand je vais me coucher le soir, je prends des gouttes, Rivotril, Laroxyl. En fait, c'est des neuroleptiques. Et en fait, ça détend les terminaisons nerveuses. En fait, ça ouvre la main. Donc, j'ai l'impression que le soir, en fait, la main, elle s'ouvre. Et du coup, c'est là où j'arrive à dormir. Mais la journée, je vis avec la douleur, en fait. Je la gère, mais... Mais tu sens tout le temps. Je sens tout le temps. Mais après, c'est moi aussi, parce que j'ai pas envie de prendre de médicaments. Si j'écoutais les médecins, il faudrait que je prenne des gouttes le matin, le midi et le soir. Et là, tu n'as plus de vie sociale. Tu es amorphe complet toute la journée. Les deux premières années, ça a été ça, en fait. Juste pour rappeler ce que c'est que les douleurs fantômes qui ne savent pas, c'est une douleur où tu as l'impression que ton bras est toujours là. C'est que ton cerveau... Le cerveau continue. Pour lui, le cerveau, il a pas fait la distinction en fait qu'il y avait plus le bras. Lui, il continue à envoyer des données en fait, et il envoie aux terminaisons nerveuses qui elles sont reliées au niveau de la main, au niveau de. Et du coup, pour lui, il a pas fait le deuil en fait. Après, il y a des personnes qui les ont. Moi, je vois, j'avais un des gars justement qui était avec moi au centre de rééducation. Il avait eu un accident de moto. Il a eu les douleurs pendant une semaine et après, elles ont disparu. Moi, ça fait 24 ans, je les ai toujours.
Donc, il y en a, tu peux pas savoir en fait c'est où elles partent du jour au lendemain, où elles, tu les as à vie en fait. Et psychologiquement, est-ce que tu as l'impression que tu peux bouger le que tu as un contrôle sur ce bras, sur le bras droit ou sur la main droite? Est-ce que par exemple si tu fermes les yeux, tu te vois bouger les doigts ou alors tu ne sais pas? Ah ouais, tu as l'impression que tu peux bouger les doigts. Quand la main elle est crispée, des fois tu te dis putain, je vais essayer de la décrisper, alors tu vois que ça essaye en fait, puis hop, tu peux pas, ça reste crispé. Mais après, ça va, la douleur, tu la gères, en fait. Tu vis avec la douleur, mais t'apprends à la, en fait, ça te fait comme si t'avais des fourmis en permanence. Ça t'arrivait au début d'essayer de, par exemple, d'oublier, peut-être, j'imagine, d'oublier un court instant à un moment donné que t'avais plus le bras et que tu pouvais plus attraper les choses avec la main, et puis aller sur le côté droit en t'imaginant ou en faisant le truc comme si t'allais attraper un verre ou quoi, et en fait, putain, merde, y a rien. Ouais. C'est ça, ça. Même me casser la gueule, ça m'est arrivé aussi. Hein. Tu t'appuies sur une rampe d'escalier en pensant que t'as la main, et puis au final, bam! Tu fais, ah ouais, non, c'est vrai, j'avais oublié. Tu montes l'escalier, tu penses qu'il y a le bras, et puis au final. Alors, ça, c'est fou. Hein. Et comment tu. On va pas rester là-dessus 30 ans, c'est juste, on va passer un peu sur la muscu et comment tu t'es entraîné. Donc, t'es reparti dans une salle, est-ce que c'était la même salle non, c'était pas celle où t'avais été initié, c'était peut-être une autre. Non, comment tu... Ah, c'est la même en plus. Ouais, je suis reparti. En fait, les patrons, ils me connaissaient depuis 16 ans. Donc, eux, quand ils m'ont vu arriver après mon accident et tout, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi heureux de me revoir. Quoi. C'était plus devenu des amis qu'autre chose. Et je crois que la patronne, quand elle m'a vu, elle pleurait parce que les gens, ils ne savaient pas où j'étais, ce qui m'était arrivé. Ah oui, ouais, c'est ça que j'allais te demander. Parce qu'il n'y avait pas les réseaux, donc les gens, ils appelaient, mais ils étaient inquiets, tu vois. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Donc, les gens, ils attendaient des nouvelles. Et puis, le jour où ils m'ont vu arriver en vrai, pour eux, c'était, waouh. Je vois encore, tu vois, leur image quand ils m'ont vu. Tout le monde a couru vers moi, ils m'ont attrapé dans les bras. C'est des choses comme ça, ça te marque. Et ton envie de reprendre la compète, elle revient d'ici? Elle revient de ce moment-là où c'était déjà avant, tu t'es dit que quoi qu'il en soit, je referai quand même de la compète, je repartirai. Non, direct, dès que j'ai remis les pieds dans la salle, en fait, je m'entraînais encore, j'avais les agrafes dans la jambe. Donc, je prenais ma douche, je mettais des sacs plastiques et tout. Donc les gens ils me disaient repose-toi, j'ai fait c'est bon, je suis assez reposé pendant 4 mois, c'est bon. Et du coup c'est mon pote, lui à l'époque il avait fait tout ce qui était championnat du monde et tout, Thierry, et donc il avait déjà un gros niveau en fait, et il était pas obligé parce que lui, limite ça le faisait reculer en arrière parce qu'il fallait qu'il reprenne tout à zéro, et qu'il s'adapte avec moi et tout, et en fait il a pas hésité une seconde, et c'est lui qui m'a mis le coup de pied au derrière. Et du coup, on a repris l'entraînement ensemble. Et un an et demi après, je refaisais une compète. Un an et demi. Ouais. Un an et demi. Ça après, va vite. Mais le plus dur, en fait, c'est que je savais que pendant l'accident, j'avais pris beaucoup de gras. Tu sais, le fait d'être resté alité, de pas s'entraîner, j'avais tout perdu, en fait. Donc, je me suis dit, pour repartir, autant que je fasse un régime et que je perde tout l'excédent de poids. Et du coup, j'ai fait un régime qui a duré 6-8 mois. Et de là, ça a commencé à... On a vu déjà ce qui restait en dessous, tout simplement. En fait. Bon, j'ai démarré. Je crois que ma première compète, je l'ai fait, j'étais à 69 kilos. Pour 1 mètre? 1 mètre combien? 73. Mais je m'en foutais parce que moi, le plus important, c'était de dégraisser, en fait, pour pouvoir repartir sur des bases saines. J'avais pris tellement de gras, j'avais le double menton, j'avais plus de cheveux, j'étais méconnaissable, c'était plus moi en fait. Donc j'ai dit il faut que je perde du poids, donc j'ai dit le plus simple, je vais me mettre au régime, comme ça va me motiver. Et du coup le fait d'avoir perdu 20 kilos, ça m'a aidé pour repartir sur des bonnes bases en fait. Est-ce que la façon dont tu t'entraînes, donc on disait tout à l'heure là, tu utilises des élastiques qui te permettent de travailler les deux côtés, en fait, c'est que tu mets un élastique autour de l'épaule, et ce qui te permet, lorsque tu fais des tirages, peut-être pas au développé. Si, tu le fais aussi, tu mets aussi au développé.
au développé, je le mets en bas. En fait, après, je change les angles. Quand je fais du dos, je le mets au niveau comme si c'était un bras. Quand je fais du développé couché, je le mets en bas. Parce que ça, ça tient à la fois pour l'équilibre, déjà, pour être stable, enfin la stabilité, et aussi pour travailler un peu le côté que tu pourrais pas, enfin que tu peux pas travailler. Bah, parce en fait, que ça te permet d'avoir un poids, parce que l'élastique, en fait, ça te met une résistance. Donc, du coup, tu forces au niveau de l'épaule, en fait. Donc, du coup, ton muscle, il vit, quoi. Le but, c'est de faire vivre le muscle. C'est pas obligatoirement d'avoir une congestion au maximum, c'est au moins de le faire vivre. Comme ça, au moins, il s'endort pas. Parce que tu as encore les trois chefs du deltoïde. J'ai toute l'épaule en fait. J'ai la tête de l'épaule avec un bout de la tête de l'humérus. Donc ce qui fait que moi, si j'avais été amputé avec l'épaule complète, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué. Mais vu que j'ai l'épaule et du coup un petit morceau de l'avant-bras, du bras, de l'humérus, ouais. Ça permet d'avoir l'articulation au niveau de l'épaule. Ok, alors le biceps, est-ce qu'ils l'ont enlevé complètement ou t'as toujours un tout petit peu le long biceps Ah non, j'ai plus rien. C'est vraiment le long biceps de l'épaule. J'ai juste l'articulation de l'épaule et c'est tout. Ok. Donc ouais, t'as juste le deltoïde et le triceps non, le biceps non et peut-être les dorsaux grand rond, ouais, petit rond. Ouais, les dorsaux par contre, ça va. Tout ça existe, non ? Ouais, je les ai. C'est juste au niveau de l'articulation de l'épaule que c'est coupé. Ouais, c'est pour ça que tu as réussi à garder quand même les muscles du dos parce que leur insertion est toujours là, les muscles sont toujours là. Donc et puis après, j'arrive à mettre la corde au niveau du dos pour pouvoir faire du soulevé de terre ou sur les machines et tout, de façon à ce que le dos il travaille de l'autre côté. En fait. Comment tu découvres cette façon de faire avec les élastiques? Ça arrive comment? Bah, au début, mon pote, en fait, c'est lui qui mettait sa main, tu vois, par exemple, en appui, quand on faisait les pecs et tout. Donc, il m'appuyait avec son poignet. Je me suis dit, putain, mais je pense qu'il doit y avoir un moyen autre chose. Si lui, il appuie comme ça, il doit y avoir un moyen pour, puis, je sais pas, il y avait des élastiques qui traînaient comme ça dans la salle. Je les ai pris, je les ai testés et j'ai vu que ça marchait, en fait. J'ai vu que, du coup, comme ça, je pouvais refaire du soulevé de terre. J'ai vu que je pouvais refaire du rowing. Donc, au final, j'ai gardé. Ouais, non, mais c'est intéressant. Non, mais en plus, c'est logique. Et puis, c'est un truc que tu fais depuis tout le temps maintenant. Il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, tu l'as peut-être adapté ou tu as des sangles spéciales pour ça ou des élastiques spéciaux? Non, je te dis, c'est un élastique que j'ai trouvé à la salle qui traînait. Je crois que les nanas, elles s'en servent pour faire leur cours de step là. Et je l'ai trouvé par terre, je l'ai pris, j'ai essayé en fait, puis j'ai vu que ça marchait bien. Donc, du coup, ouais. je l'ai adopté. Parce qu'à l'époque, je prenais, tu sais, les sangles de ceinture, pas de ceinture de sac à dos, là. Tu vois, ou de ceinture de sécurité. Mais c'était trop, je sais pas, j'avais pas de sensation, en fait, avec ça. Limite, c'était trop gênant. Parce que, t'avais pas de confort. Alors que là, si il te faut mettre un coussin ou une serviette, un truc, parce que sinon ça te défonce la peau. Alors que là, l'élastique, tu mets quand même la serviette, mais tu as un certain confort parce que tu sens pas la sangle sur ton épaule. Et qu'est-ce que tu fais alors à cette compétition un an et demi après? Est-ce que tu te classes bien? Tu es fier de ce que t'as rendu? Je me classe troisième, mais moi j'étais content parce que j'avais réussi mon pari. En fait, c'était de récupérer de l'accident le plus vite possible. Ouais. J'étais tellement content d'être revenu sur scène que je crois que le résultat, en fait, je m'en foutais complètement. J'avais dégagé tout le gras que j'avais. Je pouvais repartir sur des bonnes bases. Parce que t'as compétitionné en toute catégorie ou parce que je sais que ça, tu disais alors, ça au début et puis t'en parles souvent, tu veux pas être en catégorie. En France, à partir de là, j'étais tout le temps classé dans la catégorie handisport. Handisport, ouais. Et le problème, c'est qu'en France, après les championnats de France, il n'y avait plus rien. En handisport, tu faisais ça et puis ensuite, après les championnats de France, l'année prochaine. Ouais. Et le problème, c'est que tu avais des gars à l'époque, ça faisait 15 ans qu'ils faisaient le championnat de France, donc ils avaient 15 titres de champion de France. Ouais. Mais au final, ils évoluaient jamais puisqu'ils rencontraient tout le temps les mêmes gars, en fait. Donc, parce que, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui aient un accident d'ici là. Alors,
Bon. En même temps, t'avais un nouveau, mais le gars, après, il a arrêté. Et au final, depuis entre 98 et 2002, on était tout le temps les trois mêmes, en fait. Jamais aux mêmes places, mais on était tout le temps les trois mêmes. Donc, moi, je me suis dit, je vais pas faire ma vie à faire des championnats de France et. Ouais, donc du coup, je me suis dit, je vais. À partir de 2006, j'ai commencé à aller voir ailleurs, en fait. J'étais en contact avec des présidents de fédé en Lituanie, à l'étranger et tout. Après, il y a eu la compétition. C'était ma première compétition aux États-Unis, en fait, où eux, ils m'ont accordé de concourir avec les valides. Et du coup, j'ai commencé comme ça. Ça a donné quoi? Je crois que j'ai fait 7 ou 8, on était 15. Et je crois qu'ils n'ont pas osé me classer mieux parce que ils avaient peur que ça crée un peu de. Ouais. À l'époque, c'était encore un peu. Tu vois, ils appréhendaient la décision des gens. Donc, ils m'ont classé sans me classer mieux que ça. Je sais plus, j'ai fait 7. Comment tu le vois, toi, ça? Parce que. On n'ose pas te classer plus haut parce que justement tu as ce handicap, mais en même temps on n'ose pas peut-être te classer trop bas parce que on veut pas. Il y a ce truc où non, finalement quoi, bah, c'est moi le jeu, c'est d'arriver de mieux en mieux chaque année, donc je dis c'est pas grave, on va continuer, on va travailler encore plus. Puis il y a un moment où quand tu arrives prêt, tu es prêt, ils peuvent plus ne pas te voir et te mettre le dernier, en fait. Donc ouais, non, c'est vrai, c'est évident. Peut-être que c'était pas assez, et peut-être qu'il fallait que j'en mette plus, donc du coup je me suis entraîné un peu plus et avec quelques kilos en plus, c'était, les choses étaient différentes. Et c'est quoi tes points faibles ou les zones que t'as eu du mal à recruter, peut-être, je sais pas, dû à cause de l'accident ou peut-être que t'avais déjà ces points faibles avant, mais sur quel point précis t'as dû insister, t'as dû bosser plus? Le dos, peut-être. L'épaisseur de dos. Le dos, c'était un peu plus ça qui était galère. Après, moi, j'aime tout travailler, en fait, donc j'ai pas de un point faible, je vais le travailler tous les jours, par exemple. Mmh. Les mollets, au départ, c'était un point faible, je les ai travaillés tous les jours pendant 4 ans. Et ça a fonctionné? Ça a marché. Donc, c'est ça que je prenais, en fait. Quand j'avais un point faible, je l'améliorais le plus possible. Ok. Alors, question, je ne sais pas si tu es à l'aise d'en parler forcément de ça, des stéroïdes. J'en parle pas tout le temps, de temps en temps, pour ceux qui veulent bien en discuter. Mais dans cette condition-là, t'as eu envie d'en utiliser ou pas? Comment tu. À quel moment ça psychologiquement, c'est rentré en jeu? Le truc, c'est que quand tu fais une compète, que t'as 20 mecs devant qui prennent, et puis que toi t'arrives, derrière, tu fais 100. Il y a un moment, tu te dis, qu'est-ce que je fais? C'est où j'arrête et je fais ça pour le plaisir ou je continue et tu sais ce que ça vaut, en fait. Donc bon. Bah. Tu joues le jeu et puis voilà. Ça, est-ce que ça change quelque chose psychologiquement de l'accident par rapport à ça? On a tendance à penser, c'est comme ça que je le verrai, je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, bon, de toute façon, on n'a rien à foutre, j'ai perdu un bras, de toute façon, blablabla. Non. Si c'est après, je... Moi, je... Les médecins m'ont dit... Quelque part, heureusement que votre fils, ils ont dit à ma mère, heureusement que votre fils faisait 115 kilos. Donc, moi, la muscu, ça m'a sauvé la vie, en fait. Donc, j'aurais fait, ils lui ont dit à un gars de 70 kilos, mais il serait même plus là. Parce que tu parles sur la post-opération, le fait que tu avais beaucoup de ressources, ou alors sur l'accident même, le fait que tu sois, que t'étais lourd, en fait, ça t'a permis de te protéger. Le fait d'être très musclé, d'être à 115 kilos à 20 ans,
d'avoir autant de masse musculaire, d'être lourd en poids et tout, ça te permet d'encaisser plus de choses. Et au final, tu te rends compte que c'est ça qui t'a sauvé la vie. Les médecins, ils te disent, ils me l'ont dit, hein, ils m'ont dit, mais vous auriez fait 70 kilos, vous seriez déjà pur. Donc, après, le problème, c'est pas de... Les stéroïdes, c'est je te le dis honnêtement, en fait. Attends, Michel, je te dis honnêtement, je sais pas du tout si tu veux qu'on en parle ou pas, tu sais comment... Non, le truc, c'est que le problème, c'est que maintenant, c'est devenu tellement banal, en fait, que les jeunes commencent la salle et prennent plus le temps de s'entraîner correctement, de manger correctement, de faire les choses normalement, en fait. Ils passent directement par cette case-là, en fait. Et c'est comme si tu commences ta maison, au lieu de construire la chape en bas de ciment, tu commences par le toit, en fait. Et ils oublient toutes les fondations. Ils connaissent rien au niveau de la nutrition, ils connaissent rien au niveau de l'entraînement, et ils vont direct taper des trucs. Et du coup, ces jeunes-là, tu les vois jamais, ils durent pas longtemps. Au bout de 6 mois, dès qu'ils vont arrêter parce que l'été, il est fini, parce que... je sais pas, moi, sa nana, elle lui a fait une crise, elle lui a dit d'arrêter la muscu, le mec, il va arrêter, il va redégonfler aussi sec. Et en fait, les jeunes, c'est les gens qui font ça comme ça, ils le font pas par passion, réellement. C'est pas une passion. Sinon, tu ferais les choses réellement, tu t'entraînerais, tu mangerais correctement et tu ferais les choses dans l'ordre. Et on voit bien que maintenant, c'est plus de la passion. Tu vois bien, les gens maintenant, ils servent tous d'Instagram, ils veulent être connus, ils cherchent tous la notoriété, ils veulent avoir des sponsors. Alors que moi, à l'époque, mon premier sponsor, je l'ai eu quand j'ai gagné ma première compète en 2009. Alors que j'avais quand même une carrière déjà depuis plus de 10 ans. Tu vois, je veux dire, maintenant, les gars, ils ont même pas fait de compète. Ils ont un physique où il y a un petit peu d'abdos, mais ils ont pris un peu de produits et ils veulent des sponsors, ils veulent gagner de l'argent et tout. Ça a plus le même, c'est plus la même impact, en fait, qu'avant. C'est vrai, mais c'est parce qu'en même temps, c'est un peu comme ça que ça fonctionne aussi pour les compagnies, les entreprises. Les affaires, n'importe quelle marque, tant qu'elle peut sponsoriser des athlètes en leur donnant quasiment rien, mais tout simplement pour faire répandre et pour faire connaître la marque, c'est aussi les jeunes athlètes qui viennent de démarrer, ils veulent vite des sponsors, mais de notre côté, les entreprises qui se créent veulent n'importe quelle, tant qu'il y a 2000, 3000 ou quelques milliers de followers, tant qu'ils peuvent avoir quelqu'un pour propulser leur marque, ils le font aussi, je pense. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes culturistes qui sont morts depuis peu de temps, quoi. Il y en a un qui est mort il n'y a pas longtemps, là. Je crois, 49 ans encore, là. C'est. Après, on ne sait pas, je ne sais pas si c'est dû à ça. Je peux pas, je suis pas médecin, c'est pas moi qui ai fait Oui, ça dit sens. Sur l'autopsie, tu vois, je veux dire, donc je peux pas parler de ça, je sais pas si c'est un rapport avec ça. Mais le problème, c'est que le milieu, en fait, je trouve que c'est devenu un peu du n'importe quoi. Tu le vois sur les salons, les gens, ils tatouent et n'importe quoi. Je veux dire, c'est. Il y a plus autant cette passion que véhiculaient les anciens à l'époque. Mais parce qu'en plus, toi, c'est intéressant, t'es pas énormissime. Je veux dire, aujourd'hui, tu pèses combien pour la même taille, 1m60? Je suis à 1m73, je suis à 97 kilos. Bon, un beau morceau quand même, on va pas se le cacher. Mais je veux dire, ça fait plus de 20 ans que tu t'entraînes. Après, 97 kilos, mais parce que tu retires de la masse du côté droit, tu retires le bras. Je serais aux alentours de 105, 110 kilos. Ok, oui, ok. Bon, ça fait quand même pas mal. Mais c'est vrai, quand on te voit, on se dit pas forcément, lui, il est, je veux dire, on voit que t'es balèze, on voit que t'es énorme. Mais comparativement, peut-être à ceux qui sont beaucoup sur les réseaux, je pense aux Olympia ou les mecs qui sont très flotteux, très, tu sais. Je veux même pas savoir qu'est-ce qu'ils utilisent, tu vois, parce que évidemment, il y a l'entraînement, tout ça, on est d'accord. Quand t'as 20 ans et que tu fais 120 kilos, bon. Après, t'as une part de génétique aussi, tu vois, mais le niveau, c'est ouf, quoi. Moi, en plus, j'en côtoie beaucoup, donc je les connais. Des personnes comme Rolly Winkler et tout, ils sont, c'est juste énorme.
c'est juste énorme. Quand tu les vois, là, c'est encore un autre cap, en fait. C'est autre chose. C'est autre chose. Tu regardes un peu les vidéos de Rob? Rob? Ouais, The Rob, sur YouTube. Sur Instagram, il est aussi. Non, je connais pas. Ok, je demande de temps en temps parce que comme il fait parler pas mal, parce qu'il parle beaucoup de produits dopants et de... Bah, il essaie de vulgariser, enfin, vulgariser ou décomplexifier un peu tout ça et démystifier un peu tout ça. Et alors, il est d'un côté, il est apprécié, et puis sur certaines personnes, il est non apprécié, désapprécié. Ça, après, c'est un peu le. C'est un débat. Faut-il en parler? Faut-il pas en parler? Bon. C'est... Moi, je juge personne. Chacun fait ce qu'il veut, en fait. Et les jeunes, les gars, ils font ce qu'ils veulent. Mais après. Tu le fais, tu connais les risques. Hein. Quand tu es les premiers mois ou les premières années, quand tu as repris la musculation, quand tu as repris un peu du poil de la bête, tout ça, que tu es revenu dans le parcours, c'était quoi ta psychologie sur toi-même? Est-ce que, et ça revient un peu à la question que je t'ai posée tout à l'heure, mais un peu différemment, moins centré sur certains produits, mais plus de manière générale, est-ce que ta santé, tu vois ça comme quelque chose de... hyper important, ça renforce l'idée que ta santé est précieuse, ou au contraire tu te dis ben en fait on n'a qu'une vie, tu vois, il y a vraiment l'opposé entre ma santé est d'autant plus précieuse, et puis d'un autre côté on n'a qu'une vie, je fais ce que je veux, de toute façon si je meurs demain c'est pas grave. Non, la santé ça reste important, tu vois, je veux dire, surtout en plus en ce moment on est dans une période où Covid c'est compliqué et tout, bah, tu te rends compte que quand t'as quand même un bon système immunitaire, que t'es en bonne santé et tout, moi, quand je l'ai attrapé, le Covid, ça m'a pas mis plus bas que ça, en fait. Ouais, ça a été léger, mais c'est passé crème, en fait. Mais voilà, parce que j'étais en bonne santé, je fais souvent des prises de sang, je fais souvent des analyses et tout. Je suis pas non plus, je fais pas ça comme un dingue, en fait. Je suis toujours prudent, je fais attention, je check les prises de sang, je fais souvent trois prises de sang dans l'année, je regarde ce qui va pas, je la montre à des médecins du sport et tout, certains, donc, voilà, j'ai toujours des avis, en fait, je fais toujours les choses bien, en fait. Ah, tu essaies de faire les choses bien. T'es vacciné, toi, ou pas? J'ai commencé, ouais, j'ai fait la première dose la semaine dernière. Ok, bon, tout le monde va s'insurger dans les commentaires peut-être, ou dans les réactions, parce qu'il y a entre les pro-vax, les neutres, et les anti-vax. Je l'ai pas fait par conviction, loin de là. Le truc, c'est que le problème, c'est que tu peux me retirer tout ce que tu veux. Tu peux me retirer d'aller au restaurant, tu peux me retirer les cinémas. Je m'en fous, en fait. Par contre, tu me prives de sport et d'aller à la salle. Ah, ça va pas, là. C'est ma vie, en fait. Moi, tant pis, c'est pas grave, je me fais vacciner parce que je vais être tranquille pour aller m'entraîner. C'est juste pour ça que je l'ai fait, en fait. C'est pas pour être pro-vax ou anti-vax. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun a sa propre opinion de s'il a envie de se faire vacciner, il se fait vacciner. S'il a pas envie, je respecte. Moi, je l'ai fait. J'étais vraiment contraint au départ. Mais quand je voyais que les taux, ils se resserraient de plus en plus, on te dit on va te faire payer les tests PCR, tu vas plus pouvoir faire ci, tu vas plus pouvoir faire ça, tu vas plus pouvoir aller t'entraîner. Quand t'arrivais à la salle, on te disait t'as un QR code machin bidule. Moi, j'ai dit, tu sais quoi, ça va me fatiguer, en fait. Donc du coup j'ai dit ouais, je préfère être tranquille, faire la dose et pouvoir aller m'entraîner au moins tranquillement sans qu'on me dise rien. Et voilà, je l'ai fait juste par tranquillité, en fait. Ouais, mais je comprends. Mais je pense que c'est la plupart des gens aussi, hein. C'est ce qu'il faut. Ouais, bah, c'est... Ils font pas enfin, par plaisir ou pour se dire ouais, mais il faut que je le fasse parce que j'y crois et tout. Ils le font parce qu'au final, là-haut, ils font ce qu'ils veulent, en fait. S'ils veulent te faire une vie de merde, ils te font une vie de merde et ils te referment tout ce qu'ils peuvent. Et à un moment où t'es obligé, en fait, il y a des choses que. Moi, c'est la salle. Tu peux me supprimer tout ce que tu veux, je m'en fous. Tu me supprimes la salle, c'est compliqué.
Ouais, mais je comprends. Je suis un peu dans la même optique, sachant que j'ai une très grosse difficulté à me faire un avis parfaitement objectif. Et un avis n'est jamais objectif de toute manière, mais j'ai fait les deux doses aussi, parce que j'ai mes raisons de le faire. Certaines sont équivalentes aux tiennes, d'un point de vue logistique, et puis d'autres raisons encore. Après, sur l'idée absolue, tu vois, ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'avais eu le Covid aussi, c'était en janvier dernier. Je crois que j'en avais un peu, je sais plus dans quel épisode j'en avais parlé, un peu des effets que j'avais eu. Donc, j'avais été couché un peu pendant un jour, tu sais, une grosse fatigue, pas terrible. Mais par contre, j'avoue que la deuxième dose, elle m'a foutu à plat pendant un jour. Alors, c'est inquiétant, hein, parce qu'on se dit quand même un vaccin qui te met à plat pendant un jour entier. Je l'ai fait le jeudi soir. Le jeudi fin d'après-midi, tout le jeudi soir, tout allait très bien. J'ai mangé au resto et puis le vendredi, j'étais cloué au lit pendant toute la journée. Tu te dis quand même, c'est. Mais bon, c'est fait, on va dire. Donc, j'appréhende la seconde dose. Non. Alors, c'est pas du tout pour t'inquiéter parce que j'ai demandé un peu à tout le monde et il y a vraiment plusieurs réactions. Hein. Il y en a qui. Alors, c'est peut-être aussi le fait de l'avoir eu et d'avoir fait la première dose. Plus tu fais de dose, plus tu réagis. Alors, je sais pas pourquoi parce que logistiquement, je penserais que ça serait l'inverse. Mais il y en a qui ça passe comme ça, ils ont un peu. Et alors, tu vois, la première dose, par exemple, j'ai eu mal à l'épaule pendant moins une semaine. Ouais, j'ai eu mal aussi sur la première dose. Après, ce que j'avais pensé faire, c'est faire les deux vaccins et aller faire un don du sang, en fait. Comme ça, tu régénères le sang. Comme ça, ça peut évacuer un peu du truc. À ce moment-là, ça peut être aussi. Ouais. Bon, dites-nous ce que vous en pensez, ceux qui écoutent, si c'est une bonne idée ou pas. Ok, donc t'as fait ton vaccin, enfin tu es en train de faire le vaccin, comme ça tu vas pouvoir t'entraîner. Je sais pas pourquoi je t'ai posé cette question, c'était à un moment donné dans le truc, ça montait, ça m'est venu d'un coup. Ce qui fait que, oui, non, on parlait aussi de la vision, oui, c'est ça, c'est la vision de ta santé, donc le fait que ça t'a... Ouais, t'es pas en train de te dire... Je m'en bats les couilles, je fais ce que je veux. Non, de toute façon, j'ai loupé la mort, donc. Non, après, moi, j'ai un fils. J'ai quand même envie de passer du temps avec lui, quoi. J'ai pas envie de faire le furieux et puis pas profiter des choses à côté. À quel moment tu montes ta boutique de compléments alimentaires, ça se situe quand, ça, dans ton parcours ou? C'était il y a 6 ans, en fait. J'ai travaillé, en fait, en tant qu'employé dans une boutique, justement, de compléments pour mon sponsor, Olymp. Et l'occasion s'est faite qu'à un moment, les chemins se sont croisés et j'ai eu l'opportunité d'ouvrir ma boutique. Et du coup, je me suis lancé dans le truc, en fait. Ok. Tu dois connaître... Oui, tu connais, parce que c'est un ami à toi, Christophe Bonnefond. Parce qu'il a une vieille boutique aussi, mais... Ouais. Christophe, quand il a lancé sa boutique, pareil, on s'était un peu, on s'était aidé mutuellement. Il savait pas trop comment ouvrir à l'époque et du coup, c'est moi qui l'avais aiguillé avec les personnes et du coup, il avait pu ouvrir sa boutique. Et maintenant, il a évolué comme il fait maintenant. Ouais, maintenant il fait il en a plusieurs. Il me semble. Ouais, il est sur Internet aussi beaucoup. Ouais, puis il a créé sa marque Yam. Ça marche bien son truc, c'est bon. Moi je le fais à la boutique et ça marche super bien, sa farine de patate douce, c'est top. Le roi de la patate douce, j'ai enregistré un épisode avec lui qui n'est pas encore sorti là, parce qu'on est là en ce moment où on enregistre tous les deux, on est en août, mi-août 2021. Et l'épisode avec Christophe Bonnefond, je l'ai enregistré le mois dernier je crois, et puis il va sortir en septembre il me semble. Mais on a retracé un peu son parcours de comment il a monté sa boutique de compléments, comment il a découvert la farine de patate douce, tout ça. Je crois que j'ai mis un titre sur l'épisode assez marrant. Il sera sorti, je m'adresse aux auditeurs là, pour ceux qui écoutent. L'épisode sera sorti déjà là, dans 2, 3, 4 semaines auparavant. Donc vous pouvez aller l'écouter si ça vous intéresse. Parce que bon, il est assez populaire aussi. Oh, ouais. Et puis il est très naturel aussi. C'est ça. Il est très lui-même. Il joue pas de jeu. Mais c'est comme toi, on n'a pas l'impression que tu joues un jeu finalement. Puis quel jeu t'aurais à jouer en fait? Non, moi je suis comme ça en fait, je suis naturel, je me prends pas la tête, je reste comme je suis en fait, je change pas. Est-ce que, alors ça c'est une question un peu tricky peut-être, parce que t'as une notoriété sur les réseaux, c'est monté, je crois que t'as, je sais plus combien, plus de 80 000 ou 80 000 abonnés, quelque chose comme ça sur Instagram.
Donc, et puis, tu as fait des photos, tu es allé dans des salons, tout ça. Comment tu la vis, cette notoriété? Est-ce que tu trouves ça cool? Est-ce que des fois, ça t'embête que cette notoriété soit due à ton accident? Ou alors, est-ce que tu en es fier? Comment tu t'identifies à ça? Non, je suis pas, ça me change pas la vie en fait. C'est cool, mais je veux dire à côté de ça, j'ai pas changé de personne quoi. Je suis pas devenu. C'est bien d'être connu sur les réseaux, mais c'est pas ça qui te fait gagner à manger chaque mois quoi. Donc, le plus important c'est ce que j'ai dans les mains là et. C'est ça qui me donne à manger, c'est pas les réseaux sociaux qui me donnent à manger. Donc après être connu, c'est un plus. C'est vrai que c'est cool de se dire voilà de puis de partager les choses que j'ai faites en fait, les compétitions que j'ai gagnées et tout. Donc tu les fais vivre aux gens, donc c'est bien, c'est agréable. Les salons, c'est cool. Tu vis un peu ça avec les gens. C'est un peu comme un jeu en fait, ce truc, tu vois, je m'éclate et je partage avec les gens et du coup je suis pas une star, hein. Je cherche pas à en devenir une et je reste comme je suis et ça me va très bien en fait. Assez modeste en plus, hein. Donc, comme on peut voir, parce que c'est bon, c'est quand même c'est pas mal quand je veux dire, t'as un parcours Je vais pas te faire la sauce qu'on te dit ou quoi, le parcours qui est hyper inspirant, qui favorise le respect, tout ça. Enfin, je veux dire, on sait le truc, mais c'est quand même le cas, tu vois. Je veux dire, t'en as conscience au final. Mais pour moi, c'est normal en fait. Pour moi, c'était une chose normale, tu vois. C'était de remonter après un accident comme ça. C'était des choses normales qui sont arrivées moment par moment en fait que j'ai remonté à chaque fois. Alors après, ouais, pour je sais pas, pour le commun des mortels, ça peut peut-être paraître, je sais pas moi, en se disant, waouh, putain, je pourrais jamais faire ça parce que t'es pas confronté à ça. Maintenant, je pense que l'être humain, quand il est confronté à certaines choses, il est capable de faire d'autres choses. Donc, ça, c'est ce que tu vas leur dire. Hein. Voilà, la prochaine expo, pas expo, prochaine interview. Prochaine intervention où tu vas aller, c'est ce que tu vas essayer de transmettre. Ouais, non, mais après, moi, j'aime bien, tu vois, moi, quand je suis sur les salons, je m'éclate, moi, quand les gens, ils viennent faire des photos avec moi, je peux rester toute la journée à rester à faire des photos avec les gens. Tu le vois, de toute façon, quand tu vas sur le salon, t'as des mecs, ils arrivent, c'est des stars, tu vois, ils viennent là juste une heure, ils repartent. C'est le sponsor qui te fait venir, qui te fait profiter quoi, je veux dire ça dure 3 jours c'est 3 jours, c'est pas y a pas mort d'homme quoi, c'est 3 jours, t'es invité par ton sponsor, il te paye l'hôtel, il te paye le billet d'avion et tout, bah, c'est 3 jours de kiff quoi, donc pourquoi se prendre la tête en se disant oh non fais chier faire des photos et tout, c'est carrément cool, les gens ils viennent te voir, ils discutent avec toi, donc tu prends le temps de discuter avec eux, 3 jours de kiff en fait. En plus, tu as eu l'occasion de prendre des photos toi-même avec, avec des stars, les stars du body. C'était Kevin Levron. Il y a des photos avec Kevin Levron avec Dorian Yates. Tu m'as dit que tu avais noué des liens en plus avec certains d'entre eux. Avec Dorian, ouais. Rolly Winkler, c'est un super pote aussi. En fait, il est énorme lui. Hein. Rolly, il est énorme et en fait, il est égal à lui-même. En fait, le personnage que tu vois sur les vidéos qui rigole tout le temps et tout, c'est le personnage que tu as dans la vie. En fait, j'ai connu avec son frère parce que son frère, il était sponsorisé chez Olympe. Et comme on était tout le temps dans la même chambre avec son frère, du coup, bah, Rolly, il est venu en fait. Et c'est comme ça qu'on a sympathisé. Donc à chaque fois sur les salons, on s'embrasse et tout, les gens ils te regardent comme ça, comme si t'étais, ils disent mais putain le mec il connaît tout le monde. Alors que quand il y a une queue de 3 km pour aller faire une photo avec Rolly, toi tu passes devant tout le monde et tu fais la photo, les gens regardent, ils se disent putain le gars je devrais peut-être aller avec lui pour faire la photo quoi. Ah, et ensuite ils veulent te prendre une photo avec toi ouais, donc. Et puis voilà, puis en plus ouais t'as
t'as l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes comme ça, Dorian, Martin Ford, Jay Cutler, tous les grands noms en fait. C'est quand t'as fait ça, tu te dis c'est bon, j'ai ma carrière, ouais c'est bon, je crois que j'ai tout fait. Je suis content de ce que j'ai fait. T'as fait des photos, je sais pas, est-ce que t'es ami avec Bionic Body, Edgar? Ouais, Bionic, c'est mon pote, Edgar. On est dans la même équipe chez Olympe. Ça va faire 5 ans, 6 ans maintenant. Et sur les salons, en fait, maintenant, on est tout le temps ensemble. Justement, c'était, je crois que Olympe, c'est ce qu'ils avaient vu à l'époque, en fait. Moi, le bras, lui, les jambes. Et du coup, on en jouait beaucoup avec moi, avec le bras Terminator, lui avec ses jambes bioniques et tout. Et du coup, ça, quand on est tous les deux sur un stand, en fait, c'est des gens, ça, je sais pas pourquoi, ça attire vraiment tout le monde. C'est sûr. Ouais. À Paris, au dernier salon à Paris, quand on avait le bras de Terminator, lui les jambes bioniques, c'était le feu au salon, c'était un truc de fou. Parce que lui aussi, bon, pour ceux qui savent pas, donc Bionic Body, quelqu'un qui il a eu un accident étant plus jeune et puis il a perdu les deux jambes. Et puis, quand je dis qu'il a un parcours qui ressemble au tien, c'est à savoir l'accident et ensuite un développement physique et assez incroyable aussi parce que quand tu le vois, il a un haut du corps qui est assez fou. Edgar, il a fait carrière. Ouais, il a eu la chance. En fait, c'est ce que je lui dis. Grâce à lui, en fait, il a eu la chose que j'ai jamais pu faire, c'est d'avoir une carte pro, en fait. Pour pouvoir aller faire toutes les compètes aux États-Unis. Et donc, il vit ce que je vis ce qu'il vit en ce moment, en fait. Parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire, tu vois, aller faire toutes les compètes aux États-Unis, d'être pro, en fait. C'était Qu'est-ce qui t'a manqué, tu penses, pour avoir ça? Est-ce que ça a été? Malheureusement, moi, j'étais dans la mauvaise catégorie, en fait. Parce que la seule possibilité d'avoir une carte pro, il aurait fallu que je sois en fauteuil roulant. Ah ouais? Parce que t'avais les championnats du monde en e-sport, mais c'est en fauteuil. Et en fait, moi, je marche. Donc, moi, c'est juste le bras, en fait. Et le problème, c'est ça, c'est ce que j'ai toujours dit à la Fédé, et ça fait 20 ans. Hein. C'est qu'ils ont tout fait pour la catégorie en fauteuil. Mais si tu regardes bien dans le monde, il n'y a pas que des athlètes en fauteuil, quoi. Il y a des athlètes où il leur manque un bras, il leur manque et ils n'ont jamais fait une catégorie pour ça, en fait. Ça a toujours été que fauteuil, mais pas pour les autres en e-sport. Et par contre, tu vois que maintenant ils arrivent à te faire une catégorie bikini, men's physique en 2 ans, alors que nous, ça fait 20 ans qu'on leur demande une catégorie comme ça, ils l'ont jamais fait. Pour quelle raison tu penses? Est-ce que c'est parce qu'il y a assez, il y a pas assez de monde? Parce que non, du monde, il y en a. Du monde, il y en a. Ah ouais. Du monde, il y en a. Ouais. Parce que en plus, tu vois maintenant sur les réseaux, les gars des pays d'Orient, tout ce qui est Liban, Irak et tout, t'as beaucoup d'athlètes, tu vois, où il leur manque un bras, deux bras, des avant-bras, des athlètes au niveau de pays de l'Est et tout, il y en a beaucoup, hein. Donc il y aurait de quoi faire quelque chose, mais je pense que la Fédé, ça les intéresse pas, en fait. Préfère des petites nanas en bikini ou c'est ils gagnent plus d'argent avec ça que. Ouais, qu'avec. Mais comment tu classifies, par exemple, parce que est-ce que être amputé, par exemple, au niveau du coude, est-ce que ça vaut être amputé au niveau du bras ou est-ce que je sais pas manquer. À partir du moment où il te manque un membre, putain, le travail, il est aussi dur que... Il est aussi dur, quoi. Donc, le mec, il va adapter sa technique. Donc, du coup... Et à comparer après en compétition, est-ce que ça serait... Je sais pas, moi, je demande. C'est... Comment on juge les critères, tu vois? Le gars, au niveau du... Après, tu juges quand même une symétrie. Et, regarde, moi, à la dernière compète aux États-Unis, ça m'a pas empêché de gagner contre des valides. C'était 2017, hein, si, c'est ça? Ouais, 2017 en Californie. Ouais. Et en 2018, ouais, c'est vrai, ça a fait parler. Parce que esthétiquement, j'étais prêt, en fait. Et j'avais le même physique que des valides. Donc, ça veut dire que c'est possible.
si vraiment ils ont envie de te juger et créer des catégories comme ça, ce qu'ils peuvent le faire. T'en as qui le font, t'en as qui le font pas. Dans les pays de l'Est, ils le font beaucoup, mais aux États-Unis, oui, il y a certaines personnes qui le font, mais après, c'est les fédérations. Hein. Et je pense que les fédérations, ils ont pas envie de se prendre la tête, alors qu'il y aurait vachement de monde dans les athlètes handis. Puis au contraire, ça ramènerait encore plus d'engouement sur ce sport, puisque au final. T'as pas eu envie de t'impliquer à un moment donné sur ça, te dire tiens, est-ce que j'essaierai pas de faire un truc là-dessus, ou finalement tu dis bon, c'est bon. De m'occuper de la fédé. Ouais, d'essayer de faire bouger les trucs dans ce sens-là. Tu sais, il y en a, ils veulent aller dans ce combat-là, ou il y en a, non, pas forcément. Je préfère trop m'occuper de mes compètes, tu vois. Je me prends pas la tête, je me dis ok, vous voulez pas le faire, mais c'est pas grave, je vais ailleurs. Je vais là où on m'appelle en fait. J'y vais. Et puis on voit. Donc ça peut être dans les pays de l'Est, ça peut être aux États-Unis, ça peut être. Si on me dit tu vas en Australie, il y a un truc pour toi, bah j'irai sûrement. Ah ouais, ça serait cool. Bah alors pandémie. Je crois que j'ai entendu dire que dans une ville en Australie, là, il y a pas si longtemps, ou même il y a quelques jours, ils ont décidé de reconfiner parce qu'il y avait une personne qui a eu le Covid. Ça, c'est radical. C'est une seule personne là. Ils blaguent pas. Non, ils blaguent pas trop là-bas. C'est comme ici. C'est un peu plus flex, évidemment. Hein, c'est moins aussi extrême. Mais les frontières sont toujours fermées aux touristes. Ça fait plus d'un an et demi qu'elles sont fermées. C'est-à-dire que c'est uniquement à l'intérieur du Canada que tu peux circuler. Tu peux circuler. Enfin, les touristes qui n'ont pas de visa de travail ici ou de visa d'études ne peuvent pas venir au Canada depuis un an et demi. Ils ont fermé les frontières. Ça fait 2 ans que je veux retourner en Californie et que je peux pas y aller. Ouais, mais ça va arriver là. Je pense au dernier trimestre 2021. Je pense qu'ils vont commencer à rouvrir. Déjà, États-Unis, Canada, la frontière réouvre là très prochainement. L'Europe, ça va être la même chose ici là à partir de septembre. Donc petit à petit, je pense que les frontières vont s'ouvrir. Avec le pass sanitaire, je pense que je vois pas quel autre truc ils pourraient mettre quoi. Sinon, ouais, ça va se demander pour quelle raison on se fait vacciner quoi. C'est clair. Non, je pense que ça devrait. Ça. J'espère que ça se fasse. Parce que là, t'as quoi comme projet, toi? Des salons, des compètes? Tu m'as dit tout à l'heure que c'était. Les salons, normalement, le FIBO, ils l'ont prévu pour 2022. Moi, je voudrais repartir aux États-Unis. J'espère l'année prochaine, en fait. Refaire les salons. Les compètes, je ne sais pas encore. Tout va dépendre. J'ai pas envie de me préparer pour rien, en fait. C'est pour se préparer, investissement personnel, financier et tout, puis qu'au final on te dise on referme les frontières, 6 mois de jet pour rien, c'est compliqué quoi. C'est sûr. Bon, on va espérer que ça réouvre. Une dernière petite chose que je veux revenir, parce qu'on parlait de santé tout à l'heure, je vais rebasculer un peu sur la santé pour finir. Je voulais savoir un peu quelle était ta routine, toi, si tu voyais. Déjà, est-ce que t'avais fait de la rééducation? Est-ce que tu continues à faire un peu de rééducation spécifique? Est-ce que tu vois des spécialistes, des médecins, peut-être des kinés? Alors souvent kiné, ostéo, ouais, parce que j'ai vu que j'ai plus le bras en fait, j'ai souvent les nerfs en fait qui où ça fait des contractures en fait du côté droit, et du coup je suis souvent obligé d'aller voir un kiné, ostéo pour décontracter le côté droit, et du coup craquer quelques vertèbres dans le dos, parce que ça la colonne, même si le dos est bien en V, en fait le dos est un peu arrondi en fait. Mais tu dois forcément avoir des compensations au niveau de la colonne vertébrale, parce que déjà le fait d'avoir le bras, c'est ça, donc ça désorganise un peu, donc ça fait pas une scoliose, mais tu vois que le dos il est un peu sur les radios, le dos il s'arrondit quoi. T'as eu des blessures? La seule blessure que j'ai eue, c'était une déchirure du biceps, ouais. Gauche, j'imagine? Gauche, ouais. À moins que tu t'es déchiré avant, mais côté gauche. C'était il y a 3 ou 4 ans, ça. Rupture du biceps, ouais.
Alors moi, je me souviens de la vidéo qui avait circulé avec Callum Von Mogger, tu sais, qui s'était déchiré en faisant, en faisant un curl à deux sur une barre. C'est ça. Comment t'as fait ça, toi? Bah moi, c'était juste à la sortie du championnat du monde. En fait, à l'époque, je préparais un pote qui faisait sa compète. Et d'habitude, je prends toujours une semaine de repos, tu vois, pour laisser reposer le corps. Et là, en fait, lui qui était dedans, bah, j'ai continué à m'entraîner avec lui. En fait, et au premier entraînement, ça a claqué comme un élastique. Sur un curl? Non, sur le dos. J'étais en train de faire un tirage comme ça. Ah ouais. Et premier tirage, pourtant, il n'est pas lourd. Hein. Et ça a fait clac. Mais ça a claqué comme un élastique. Au niveau du coude? Et au niveau de l'intérieur du coude, là, j'avais les deux tendons, le tendon du biceps sectionné. Ah ouais, putain, donc c'est remonté, t'as le biceps qui est remonté sur le bras, là. Ils m'ont opéré, ils ont réussi à me remettre le biceps. Donc je suis resté pareil avec une attelle pendant 2 mois. Oh putain, là, c'est la galère, là. Bah là, j'avais plus de bras du tout, là. Pour le coup. Là, j'avais plus de bras et de l'autre côté, j'étais dans le plâtre. Donc, comment tu faisais pour, je sais pas, pour manger? J'avais une aide, hein. Il y avait quelqu'un qui m'aidait pour tout. Hein. Ouais, obligé. Pour ma douche, pour me laver, pour manger, pour m'habiller, pour m'emmener, parce que je pouvais plus conduire, plus rien. Combien de temps ça t'a pris? 3 mois? Ça a duré 2 mois. 2 mois. Ok. Bon, aujourd'hui, c'est fini, t'as plus du tout de douleur, tu fais gaffe, hein, ou tu l'as complètement oublié? Non. Au départ, t'as un petit peu l'appréhension, puis après, c'est. Après, ça y est, tu fais plus attention. Ok, bon, super. Petite question rapide pour finir. Comment tu t'entraînes? C'est quoi ton schéma d'entraînement? Est-ce que tu splits? Est-ce que tu regroupes? Est-ce que. Alors, je fais. Ta programmation. Je m'entraîne du lundi au vendredi et je fais tous les groupes. Ça me fait tous les groupes 2 fois dans la semaine, en fait. C'est des plus petites séances, mais je fais par exemple le mardi épaisseur de dos, et le jeudi je vais travailler la largeur. Le lundi je vais beaucoup. Ouais, le lundi je vais travailler haut de pec, le jeudi je vais travailler bas de pec. Tu vois, je vais tout scinder en deux, en fait. Ça te fait des séances courtes, ça? Ça fait des séances d'une heure, 1 heure et quart, ouais. En s'entraînant rapidement, mais l'avantage c'est que tu arrives vraiment à cibler tous les angles, en fait. Tout ce que tu veux, et te permettre de rattraper les points faibles. Ok. Parce qu'après, si tu fais une séance de dos où tu fais largeur, épaisseur dans la même séance, c'est trop long. Là, au moins, c'est plus rapide. Surtout parce que comme t'es expérimenté, donc en fait, t'es obligé de rajouter du volume au fur et à mesure. Et le fait de scinder, ça te permet. Parce que sinon, ça te ferait des séances qui duraient 2 heures, 2 heures et demie. En fait, les derniers exercices, t'aurais plus de jus. Là, tu fais une séance d'épaisseur, tu sais que c'est que des mouvements d'épaisseur. Tu vois, t'es pas obligé de. Donc, tu sais que t'as 4 mouvements. Tu vas faire que de l'épaisseur. Très bien. Tu manges comment? C'est quoi ta diète? Sain. Je mange 7 à 8 fois dans la journée. Protéines, bien sûr. 7 à 8 fois, je viens de. J'avais pas perdu 7 à 8 fois. Des petites quantités toutes les 2 heures, toutes les 2 heures et demie. Protéines, alimentaires. Beaucoup alimentaire en liquide, une ou deux dans la journée. Mais principalement que de l'alimentaire, ouais, du solide. Tes compléments alimentaires, justement, toi, tu es sponsor par Olympe. Par Olympe, c'est ça? Ouais, c'est ça. Olympe. Énormément de BCA. BCA, glutamine, ZMA, ashwagandha. Oui. Ouais, puis c'est tout. Mais énormément, principalement des BCA et. Créatine, oméga 3, tout ça? Non. Pas. Il y a une raison? Non, j'ai pas de. Oméga 3, il en faut beaucoup, beaucoup pour si tu veux vraiment des résultats. Quant à la créatine, ouais, c'est pas un truc que je kiffe plus que ça. Ok. Et collagène, je sais pas si t'en as entendu parler un peu. Ça, j'en prends, j'aime bien pour. Ça devient mainstream. Surtout depuis que je commence à vieillir,
J'utilise du collagène avant de dormir. Pour retendre un peu la peau. Et La peau, et surtout, ça fait du bien aux articulations. Ouais. Ok. Mais justement, est-ce que tu as peur de vieillir? Non, c'est le jeu. Hein. Ça fait bizarre, mais on avance tous. Hein. C'est sûr. Tu vois que la barbe, elle est plus noire, elle est blanche maintenant. Mm. Donc, c'est comme ça. Si on pouvait revenir 20 ans en arrière. Donc, 46, tu m'as dit. 20 ans, ça me paraît bien, là. Lorsque tu étais peut-être en centre de rééducation, si tu pouvais donner un conseil à ce Mickaël à ce moment-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Change rien, t'as fait tout ce qu'il fallait. T'as pas lâché, t'as continué, et puis au final, on en est là aujourd'hui. Ok, pas de raccourcis. Non. Bon, peut-être des filles que j'aurais dû éviter, mais. mais non, à part ça, je dis, non, je déconne. Non, tout. Non, au contraire, j'ai fait, je pense que le parcours que j'ai fait, je ne le regrette pas. Okay. Est-ce que tu as des livres à nous conseiller, enfin à me conseiller qui t'ont des marqué, un bouquin qui t'a marqué, je sais pas, je pose toujours cette question à la fin et je prends très souvent au dépourvu. Mais... Ouais, parce que je suis pas un gros lecteur de livres. T'es pas un grand lecteur. Je suis plus un amateur de Netflix qu'un gros lecteur de livres. J'ai du mal à me concentrer sur un livre. C'est un truc de fou, j'arrive pas à rester. Puis alors maintenant, j'ai des lunettes, alors j'ai encore moins envie de lire en fait. Il faut que tu fasses l'opération là, tu sais, au laser là, pour te. Quand je commence à voir que le truc, je fais ça et il faut que je recule, voilà, ça me donne pas envie de lire. t'as pas de. Même quand t'étais plus jeune, t'as pas lu un truc qui t'a marqué spécialement? Parce que des fois, en plus, dans la jeunesse, comme ça, on lit des bouquins qui peuvent. Qui ont une certaine influence. Là. Ben, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Hein. S'il y a rien qui te vient. J'ai pas de. Mais s'il n'y a rien qui vient, quelle est ta série préférée sur Netflix ou pas sur Netflix d'ailleurs? Qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce qui est intéressant en ce moment? Je recherche de temps en temps des recommandations de trucs à regarder. C'est quoi la dernière série que j'ai regardée sur Netflix là? Putain. Évidemment, c'est quand je suis en reportage que. Je me souviens plus du titre de la série. C'est pas grave, tu me la donneras plus tard. Attends, est-ce que je l'ai... Si j'allume Netflix, normalement, ça doit retomber. Si t'allumes Netflix, ça doit... Si j'allume sur le téléphone, je pense que je dois retrouver le... Le serpent. C'est pas grave. Hein. Ah, le serpent, ok. Ok, bah je l'ai pas vu. Alors... Elle est canon, cette série. Bon, après, c'est tiré d'un truc vrai, hein, mais le mec, il joue. Ouais, c'est chaud. Ok, bon, ben, tous ceux qui l'ont vu, dites-moi si c'est vraiment bien. Si vous êtes des centaines de milliers à me dire que c'est bien, peut-être que je la regarderai. Le serpent, ça, ouais. Ok. Bon, eh ben, écoute, c'est pas trop mal tout ça. Je pense que on va s'arrêter ici. On va conclure. Mine de rien, si on veut te retrouver quand même, parce que ça, je le dis toujours sur les réseaux, dans Instagram. Alors, t'as pas de chaîne YouTube, ce que j'ai trouvé particulièrement dommage. Non, j'ai pas de chaîne YouTube. Ok. Donc, Instagram, Facebook. Est-ce que t'as un site web ou c'est quand on va, si on peut voir. J'ai pas non plus de site web. Donc, Instagram, Facebook. Et attends deux secondes, il y a quelqu'un qui est rentré. Ah bah écoute, vas-y, occupe-toi, comme ça je fais les conclusions. Tech. Hop, alors, je vais conclure, je l'ai mis en mute, comme ça normalement vous n'entendez pas la discussion qu'il a avec le client. Alors vous le retrouvez sur Instagram, sur Facebook, je vous laisse les liens en description, dans les notes de l'épisode, hein, faites dérouler. Alors il n'y aura pas énormément de recommandations de bouquins au cours aujourd'hui, hein, mais c'est pas grave. Je vous mettrai, on a parlé de Grand Corps Malade, là, je vous mettrai le nom du film dans la description aussi, ce que je trouve intéressant.
Et puis voilà, bon, la petite note sur Apple Podcast, ça j'en ai parlé au tout début, hein, partagez cet épisode à vos amis, envoyez-le directement, là, faites un partage, copiez le lien et balancez-le à vos potes qui sont dans le milieu de la muscu, qui ont envie un petit peu de se rebooster au niveau de la motivation. Et puis si vous-même vous avez été inspiré par le parcours de Mickaël, qui force d'une certaine manière, qui force le respect, tout en modestie et tout en naturel, mais on ne peut que s'imaginer quand même, enfin ce qu'il a pu vivre et par quoi il a dû passer, et puis tout ce qu'il a fait. Donc moi, je trouve ça assez, assez formidable. sans en rajouter des tonnes, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça. On va pas en rajouter. Faites une story sur Instagram. Est-ce que tu es de retour, Mickaël? Ouais, clique sur le petit. Je suis là. Voilà, c'est bon. Ok, parfait. Bon, mais comme ça, tu pourras être avec nous pour les derniers mots de la fin. Je demande toujours aussi aux auditeurs de partager sur les réseaux, là, qu'ils prennent une petite capture du podcast et puis qu'ils le repartagent, qu'ils fassent une story avec et puis qu'ils t'identifient. Moi, c'est Biomécanique Podcast sur Instagram. Toi, c'est Mickaël Louvel, tout attaché, je crois. Sur Instagram, Mickaël-du-6, Louvel. Ok, donc voilà. Identifiez-le. Partagez la bonne parole, comme ça, en fait, lorsque vous faites une story, ben, vos amis peuvent voir le podcast. Ça fait augmenter le reach, la portée. Comme ça, on est de plus en plus nombreux. Et puis, il y a de super invités qui viennent aujourd'hui. J'étais ravi de faire cette discussion avec toi, Mickaël. C'était vraiment. Apparemment, c'était cool. On a passé deux et je dois heures. Dire que ça j'étais. Ça a passé super vite, ces deux heures. Ça va toujours très vite. Et je tiens à préciser que je suis assez surpris de la rapidité et de la spontanéité avec laquelle tu as répondu lorsque j'étais sollicité. C'est vrai que ça faisait un moment que j'aurais pu t'envoyer un message, mais c'est que j'ai toujours une certaine réticence à envoyer des messages à certaines personnes qui me semblent un peu trop populaires ou en tout cas qui je pense, ont trop de d'opportunités, trop de propositions. Et en fait, je t'ai écrit, ça a été assez rapide et puis on s'est pris rendez-vous et puis donc c'est excellent. Ouais, moi je réponds toujours aux gens quoi qu'il arrive et je suis toujours dispo en fait. Il y a jamais de non, c'est rare. Pas de fioriture, ok. Non. Non, ben je te remercie pour ça et puis vous pouvez le remercier. C'est pas toujours comme ça parce que c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui ne me répondent pas forcément ou qui après je peux comprendre, hein, je veux dire on a tous nos trucs, mais j'invite du monde. Et puis alors ça c'est un truc que je veux dire aussi, c'est que j'essaie de le dire un petit peu parmi ceux qui me contactent par message, que ça soit sur mon mail ou mon Instagram, qui me font leur retour privé, qui me donnent des petites recommandations d'invités, etc. Donc j'apprécie, hein, n'arrêtez pas de faire ça, je trouve ça génial. Mais un truc que je dis et que je répète, c'est que certaines personnes sont plus difficiles à atteindre pour passer sur le podcast. Et si vous avez des influenceurs hyper connus ou des personnes qui sont peut-être beaucoup moins accessibles, je pense, je sais pas pourquoi, cette Gecko en tête là, je sais que c'est il a fait pas mal de musculation pendant un moment et il est voilà, il est enfin il fait toujours de la muscu, il est dans ce milieu là et puis il est dans le rap aussi. Et ça serait, est-ce que ça serait pas formidable de faire un épisode avec cette Gecko si vous voulez faire si vous voulez que je fasse des épisodes avec ce genre de personnes qui sont beaucoup plus difficilement accessibles? Taguez-les en story, en fait. Mettez le podcast, taguez-les. Comme ça, ils voient, ils se disent qu'est-ce que c'est que ça. Écrivez un truc du style cette Gecko, on veut te voir sur le podcast mécanique ou alors, je sais pas moi, Nassim ou n'importe qui. Qui c'est qui a... Sissi Mua aussi, peut-être. Aussi. Ça fait plusieurs fois qu'on me la recommande, mais Sissi Mua est quelqu'un de très occupé. Mais écrivez ça comme ça. Comme ça, ils vont voir, ils vont dire tiens, qu'est-ce que c'est que cette émission? Et puis, ça va donner un petit peu de poids pour qu'ils viennent sur le podcast. Ça sera super. Bon, voilà. On va s'arrêter ici. Je crois que j'ai tout dit. Tout est dans la description. Inscrivez-vous à la lettre biomécanique aussi, la newsletter du podcast, c'est toujours intéressant. J'en parle pas plus. Si vous êtes... Cliquez sur le lien, vous comprendrez pourquoi c'est intéressant de s'inscrire. Et puis, Mickaël, je te remercie pour être passé. Est-ce que tu as un dernier mot de fin avant que je coupe l'enregistrement? Non, mais c'était un plaisir de faire ce reportage avec toi. Et. Lâchez pas en fait. Faites si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Attendez pas que ce soit trop tard ou que le train soit passé pour le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, je pense qu'il sait de quoi il parle et c'est parfait. Merci à toi, merci à tous. Quitte pas la fenêtre, je vais couper l'enregistrement et puis on se dira au revoir en privé. Ça marche. À la semaine prochaine ou à très bientôt sur le podcast Biomécanique. Bye bye. Bye bye.